Ok. Truc pour Salut. pas plus. Il y a Bonsoir. Donc moi je dois jouer qui tu m'as dit? L'anciennement The Vinch? Ouais, Vinch. Alors, je baisse les sons. Est-ce que Anka revient du coup ce soir? Bah, je l'ai chopé à l'instant là et il répond pas. Mais il m'avait dit dans la journée qu'il revenait, donc normalement oui. Encore plein de retardataires, hein? Je ne sais pas, je ne sais Retardataires, plus. n'est-ce pas? Ah, où est-ce que j'en étais? Pff, attends. Voilà, Comment bon, d'accord. j'ai joué jusqu'à Bonsoir maintenant? tout le monde. Parce que si j'appuie pas sur le bouton, ils m'entendent pas, du coup ils me répondent pas et Salut, après salut, salut, bonsoir. salut, Bonsoir. salut. Alors juste un petit rappel, ceux qui ont des micros pourris, mettez-vous en push to talk. Au revoir, Jay. Mon micro est pourri? Non, non, non. Non, c'est la voix qui. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, par contre. Non, c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit t'oublieras pas de dire à Jal que. Il faudrait que ça reste dans la fédération. Voilà. Ah, excusez-moi, il est. Alors, Krook, je vais le baisser à 10%. Voilà. Pourquoi tu laisses 10%? C'est pour la violence des propos. Ayazu, il est à 11. Quoi? Lui, je le connais pas, on va le mettre à 20. Les Ça doit être Illuminati moi. impérialistes, ça fait la paix. Nasta, c'est bon. Silent Death, il Oui, est là, là. à la fin du live dernier, ouais, tout à fait. Ah, non, je Voilà, pense que donc là les c'est parce qu'il y a réglages se plus de temps font. avant la sauvegarde. On va Voilà, aller attends. sur le Twitch. Sur le Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. Je suis en train de Alors, rejoindre la partie dans mon. est-ce qu'on a des absences ou pas? Voilà, Anka a dit Oui, qu'il arrive. ouais. Ok. Il y a Bob qui est pas là. On a des nouveaux par contre. Xekar, t'es sur la carte là? Ouais. Ok, bah juste pour faire le petit brief alors du coup vu que t'es dans la fédération, si toi, moi et Krook on peut vite fait déblatérer un peu maintenant que t'as la carte sous les yeux. Allez, faire ça Allez. dans votre channel. Ouais, voilà. Allez, sud pour l'Axang. Salut à toi, Merci. Alex Gold. Alors, ça c'est bon. Tac. Donc normalement ça devrait être propre. ID du serveur, je ne l'ai pas. Je ne l'ai Si, pas. si. Check le chat. Juste au-dessus de Ouais, ce que t'as mais dit. normalement il devrait me le mettre automatiquement. Ah bon. Et là Bah je l'ai sinon, tu pas. fais rejoindre la partie. Et le mot de passe étant 422. On va faire Parfait. changer. Tu as reçu une demande de join. Ah putain, Bob, t'as compris ils le sont serveur déjà là, c'est barrés. quoi? Regarde-moi ces chiens, ils sont déjà barrés dans le Oui, truc du non, mais je sud. leur ai dit parce qu'ils allaient parler pendant 30 ans là, raconter leur vie. Alors, Picsou qui demande, je peux venir où il y a un nombre de places limitées. Picsou, si tu as Bonsoir une à bonne. tous. Salut. Picsou, Bonsoir madame. si tu as une bonne connexion, tu peux venir. Je crois qu'il reste des places qui manquent. Alors, pour le moment, on est 10. Ah, on est déjà pas mal. Alors, question, est-ce que mon micro refait des bruits bizarres? Non, 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 pas de non. problème. Mais reste en push to talk quand même, parce qu'à mon avis, c'est pas le. Mais ferme ta gueule. J'ai pas dit Passe pas. ça. J'ai pas dit Non, non, ça. mais. Ça m'aurait fait rigoler. J'en suis pas encore là. Ah Ah. putain, j'ai hâte de rejouer la nation des scarabées là. Pas des Essayer de cafards. retenir, donc Ouais, c'est des The cafards. Vinch C'est les a été. scarabées. The Vinch a été remplacé par Xekar, ça j'ai compris. Ouais. Ankard, il jouait qui déjà? J'ai oublié. Je reconnais pas les noms des Imperium et Alors tout. on va Je sais même plus modifier, mon nom. on va en profiter pour modifier le titre parce que c'est pas épisode de tension, c'est épisode 3 guerre. Question, l'accès c'est toujours ce que Papa Gaillot a mis ou c'est revenu sur le truc de Ouais, règle? non, c'est bon, c'est bon, t'inquiète, Papa je te. Gaillot. C'est beau quand En fait, même. les accès, ce qu'il faut savoir qu'Odan, c'est que les accès c'est une personne par. Enfin, une Ah, c'est personne par une ça. personne. Dès que quelqu'un commence à charger, je peux pas accepter les nouveaux. D'accord. On va attendre qu'il est terminé, donc des fois c'est un peu long, quoi. Là, c'est Je sais ton plus tour, du là. tout où j'en étais, moi. Ah, tu On vois est qu'il se connecte, c'est 11. bien foutu. Ouais, bah, je vois des demandes en fait. Le problème, c'est que dès que j'accepte une demande, le temps que ça charge, il peut pas y en avoir de nouvelles. J'aimerais bien qu'il patche ça d'ailleurs, parce Ok. que c'est vraiment chiant. Alors, merde, je sais pas ce que j'ai fait de mon tel. Je pense que c'est peut-être aussi parce que tu as le transfert de sauvegarde. Et c'est pour éviter que Ouais, tout le c'est monde ait ça. le même chargement. Ouais. Ça bloque. Tech. Exactement ça. Est-ce que Bob t'a confirmé qu'il était là Je l'ai contacté il y a genre 5 minutes. Donc je pense qu'il risque d'arriver un petit peu à la bourre, s'il vient. Mais normalement, il venait. La semaine dernière, il a dit qu'il était là, il me semble.
Ouais, t'es motivé. Mais là, je suis rentré et il fallait que je speed. Parce que je suis rentré du sport à 20h20. C'était un peu compliqué. Je m'en suis douté. Quel sport ? Le sport. Il n'ose pas le dire. Je fais... Le sport à base de muscles. Le sport à base de soulevage de poids. Ah, voilà. Putain. Salutations. Salut, Silent. La forme ? Très bien. J'entends que Bob n'est pas là. Ma stratégie tombe à l'eau. Mais il va arriver, je pense. Je ne sais pas, mais dans tous les cas, on va lancer tranquillement, hein, je pense. Bon, pacte secret d'alliance est donc corrompu. Alors, ouais, le mec qui balance tous ses secrets... Anka, d'ailleurs, devrait rejoindre aussi, rapidement. Et voilà. Et en tout cas, à ceux qui sont sur le live... Ceux qui sont sur le chat. Voilà, ça y est, je vois la carte du monde. Donc, moi, je m'étais étalé comme une grosse merde jusqu'en haut. Voilà. Donc, mon empire va de Jaltam à Dram. C'est le Dram. Bon, ok. Je la refais plus. Putain, mais tu t'es étendu. Mais comme un mec à la plage, quoi. Ouais, comme une famille de portugais, quoi. C'est impressionnant. Ah oui. Ah oui. Ah, ouais. C'est un bel empire que tu m'as. Ah, il y a En Marche en bas à gauche, j'avais pas vu. Salut. Oui, alors, la Péruvie. Eh, hey, mais Silent, t'as quand même un bel empire. Hein. Ouais, j'ai un empire de merde, comparé au tien. Donc là, on a Lennon qui est là. Au-dessus, où est cette fameuse fédération chiante du sud là? Alors, le Saint-Empire Kroghistanais, ouais. Le Chat-Empire. Ah, le Chat-Empire, on va bientôt devoir. On va bientôt s'approcher d'eux. Et l'hégémonie, c'est ça? C'est qui, username? C'est toi, Picsou? Alors, si c'est toi, Picsou, qui viens d'essayer de rejoindre, pour le moment, je pense qu'on va attendre un tout petit peu parce que je sais pas quel empire en fait tu vas prendre. Ok, pas de problème. Salut. Tu peux changer ton pseudo. Alors, attends, username, j'ai pas réglé ton Discord. Il faut que je règle ton Discord. C'est qui, username, hein? Comment on fait pour. Oui, mais comment on fait déjà pour régler le pseudo parce qu'il s'appelle username, mais je sais pas comment. Je règle ça. Ah, c'est Picsou. Ça va le changer, j'ai oublié. Excuse-moi. Picsou, ok. Non, c'est juste je baisse ta tonalité pour que tu sois au niveau de tout le monde, c'est-à-dire à 15%. Voilà. Et coup, il reste quoi comme empire qui n'ont pas été pris? Eh ben, on va attendre. Il reste les empires en haut, là, les empires robots d'ailleurs, qui sont bien étendus. Ouais, mais attends, parce qu'il faut pas qu'ils prennent l'empire de quelqu'un qui est déjà venu, faut juste regarder. Ouais, d'ailleurs, Bob, il est là ce soir ou? C'est marrant ça, je suis répondu à cette question. C'est une question qui se répète, tu sais. On a déjà répondu cette question. Ouais, mais on était dans le cadavre. On était en bas. Ouais, on s'en bat les couilles. Trop tard. Vous êtes des ennemis, vous n'aurez pas de réponse. Ah, on est des ennemis, ah, d'accord. Non, non. Ah, non, mais après, si tu fais des alliances hors live, il faut le dire aussi, quoi. Ah, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Non, la vérité, c'est que. Ok, Anka qui est en train de redéel le jeu, il a eu un problème avec ses fichiers, donc voilà. Donc Anka sera là, au moins. Je lui demande si ses potes sont là, tant qu'on y est. Ah bah si on a faim, on pourra se taper un petit encart. Voilà. Alors en fait, faut que tu saches un truc dans ce live. Aussi. Faut que tu saches un truc dans ce live, Picsou, c'est que ces blagues de ce niveau-là me sont réservées. Voilà. Ah mais attends, Picsou. Ok. J'ai fait évoluer une société primitive. Si tu veux, tu peux la prendre. Comme ça, t'auras juste un secteur. Mais vas-y carrément. Tu vas jouer un vassal. Avec le côté non, RP et tout. Non, c'est même pas un vassal, je l'ai libéré de son indépendance, il fait partie de la fédération. Ouais, mais c'est un protectorat, c'est pire qu'il l'avait. Non, c'est pas un protectorat non plus. Il ah est ouais, indépendant. D'accord. Ah bah ça pourrait être rigolo si tu veux. Bon, par contre, tu commences avec genre beaucoup de temps de retard, mais bon, t'es protégé quoi. T'es protégé. Ça ira, ça ira. Alors que je te donne le nom, c'est les Honed Karak. Honed Karak Citizen State. Ok, attends, c'est encore en train de charger là. Et c'est qui là juste au sud là? Ah mais c'est Anka, d'accord, ok. Les champignons de l'espace. C'est Anka ça? Ouais, Anka c'était les champignons. Oui. Je crois que j'ai colonisé toutes les planètes à 40%, rien à foutre. Je pense que notre stratégie va être l'extension systématique, encore une fois. Et on va appuyer, durant ce live, je pense qu'on va commencer à appuyer nos alliés de la Fédération. Jay, je sais pas ce que t'en penses. Mais... qui peut faire notre point de jonction, Jay, c'est une espèce de petite ligne droite à deux étoiles chacun de... Je sais pas si tu vois, tout à ton sud et plus ou moins à mon nord, du coup, il y a une espèce de petit couloir qui pourrait faire la séparation. Surtout qu'elles se croisent qu'en quelques systèmes.
C'est-à-dire, c'est quoi ce... comment il s'appelle? Ah, mais je le connais pas, ce système. Mais ouais, t'as un système pareil, qui permet de bloquer les frontières. C'est ça, des de deux côtés, on sera bien, bien protégé. Donc je trouve que c'est une bonne frontière pour nous deux. Après, il faut voir ça avec Masta aussi. Parce que Masta... Ouais, mais ça, c'est chez nous, ça. Ou... enfin, moi, je parle de la partie... Enfin, je connais pas le nom de tes étoiles, mais moi, j'ai Erdoska. Enfin, il y a juste un couloir qui nous sépare. D'accord. Alors, je sais pas où elle l'a mis. Elle l'a peut-être pris. Okay, alors, où est-ce qu'on en est? Putain, Twitter me déco à chaque fois. Il était là. Bon voilà, tu vois que t'as de la place, Picsou. T'es pas bloqué, genre. Ouais, ça va aller, on va pouvoir se balader un peu. Alors, il nous manque Anka. Anka, Bob, il y a quelqu'un d'autre encore ou pas? Bah, Bob, pour le moment, à mon avis, il doit pas être devant le PC, là, donc on va commencer tranquillement. Parce que là, c'est déjà 21h06, donc on va y aller. On va commencer tranquillement, et puis il nous rejoindra sans doute. Le mec, il est comme au boulot, quoi. Attention, si t'as pas le deadline... Ah non, moi, le deadline, c'est 21h06, on a déjà 6000 minerais de retard. N'importe quoi. Fist of Kiss, équivalent. On est équivalent partout, et... Du coup, on reste sympa, on profite pas des absents pour attaquer comme des morts de faim. Parce que l'Empire de Nox... Ah mais attends, il y a... T'as lancé là, ou... Il faut déjà de la diplomatie, voilà. Les autres. Il y a juste affiché la carte, mais on est en pause. D'accord, ok. Il y a déjà des pactes de non-agression qui se font. Alors, j'en étais où? Oh là là. Ah, ça y est, Léonia, il a perdu vie, on fait pause. Ok. Il y avait quoi là? Putain, ouais. Ah ouais. J'avais oublié qu'à Média, il y avait un paquet de monde. T'as quasiment 15-4 flottes. Ok. Quoi? À Média, au sud de ton empire, il y a 15-4 flottes hostiles. Ah oui. Ouais. J'ai pas encore ce qu'ils font pour les déloger. Comment on fait pour refaire, vous savez, les provinces ou je sais plus quoi là, de planètes? Les secteurs. Les secteurs, merci. Ouais. Avec un vaisseau constructeur, tu construis un avant-poste. C'est ça. Ouais, mais des avant-postes, j'en ai partout. Ouais, mais c'est ce qui permet d'étendre le territoire. Ouais, c'est d'accord, ça. Mais... Un par secteur. Parce que là, en fait, j'ai genre 4 planètes sur 3. Donc j'ai dépassé la limite et c'est pour faire, tu sais, je sais pas quoi, les empires. Genre. Ah, F5 ah. Et en haut, t'as créé un nouveau secteur. Masta et Antoine, ça vous dit, on se chope sur un canal de négoce? De quoi, maintenant? Ouais, genre maintenant, ouais. Okay. Négoce 1, tiens. Hop. Alors, ça y est, je me suis foutu sur Négoce 1. Oui. Ouais, j'ai rajouté Master, là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre stratégie durant cette partie? Est-ce qu'on part sur la charge totale au sud? Ou est-ce qu'on essaye de se consolider économiquement? Alors, pour être honnête, je trouve qu'il y a une espèce de barrière de pirates pour aller en bas. Ouais, mais là, ça se défonce. Franchement, ça se défonce avec... Non, mais genre, pour le moment, je pense qu'on devrait rester sur l'extension encore une fois. Parce qu'on est vraiment loin d'eux, en fait. Le seul qui me fait peur, n'oublie pas, le seul qui nous fait peur, c'est Anka. Hein, parce que lui, il va revenir. S'il revient, là, il faut qu'on se... Soit qu'on se débarrasse de lui, soit qu'on lui fasse très mal. Ouais. D'accord. Mais okay. À un moment donné... Elle va pas pouvoir laisser passer les choses. Ouais. Ok. Bon, bah alors, moi, je continue économiquement et puis je vais commencer à vous appuyer à coup de 2000, 3000 crédits pour que vous puissiez... Et du coup, je voulais en venir en haut, là. Est-ce que ce serait possible de me laisser une extension tout au nord? Ah oui, c'était ça dont on avait parlé la dernière fois. Ouais, je pense par exemple à Zipir, Ligis et... Ligis, c'est impossible, j'ai une planète dessus. Ah merde. Ouais, non, mais ça change rien. Au pire, je te céderai une autre planète. Il n'y a pas de soucis. Non, t'es ouf quoi. C'est une planète océanique, j'en ai besoin en ce moment parce que j'ai une nouvelle race.
Par contre, je peux peut-être te faire un trou. Le problème, c'est que. Les mondes arctiques, tu peux les utiliser Je peux utiliser à peu près tout, parce que je suis ultra. Attends, je vais te dire. Mais en fait, non, mais je suis con, t'as pas besoin. Hein. Pourquoi j'aurais. T'as pas besoin de relier. De toute façon, on est potes, tu peux passer. Non, mais oui, mais si je veux pouvoir continuer à m'extendre. Mais non, mais en fait, j'explique. Tu vas claquer un petit peu plus d'influence pour en créer un de l'autre côté, ça c'est vrai. Mais une fois que tu as créé un secteur de l'autre côté, ça coûte 75 de déployer. Après, mec, l'influence, en fait, j'en ai 74 là. Non, mais je sais, mais en fait, ça va te revenir au même coût de faire de l'influence derrière moi que de faire enfin dans un trou, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est pour ça que. Le prix va être le même. Là, t'as une quinzaine de systèmes à prendre sans t'étendre dans le sud, donc ça va quoi. En fait, ce qu'il faut juste que tu prennes, je t'explique. Ce qu'il faut juste que tu prennes, c'est jusqu'à Zatmak. Tu vois Zatmak à droite de Ligiz? Non. Tout en haut. Le ah, mais il est pas reconnu. Je l'ai pas reconnu. Du coup, ouais, j'imagine que. Tu vas jusqu'à Zatmak, c'est celui qui est le plus haut. Ouais. Et t'auras que 3 bons pour aller jusqu'à Ekyo. Ça va te coûter. Ouais, mais de toute façon, Master a raison. Master a raison là-dessus. C'est que avant que j'ai besoin de claquer 500 de. D'influence là-haut, j'ai une extension systématique en bas, et du coup, ouais, avec Masta, il faut qu'on voit ce qu'on se partage. Sinon, je peux te faire un trou, mais je veux un truc en échange. La dernière fois, on a dit que toi, tu descendais à Ridigus, qu'ensuite, tu prenais tout ce qu'il y avait à droite et sur le bas. Écoute, sinon, moi, je te fais un trou. Papy, en fait, c'est mieux, c'est plus simple. Il vaut mieux qu'on descende et qu'on fasse la jonction avec l'autre civilisation. Ok. Non, mais attends, c'est pas terminé ce que je veux dire. Ouais. Parce que ça, il y a un truc qui m'intéresse chez toi, en fait. Ce que je peux te proposer, sinon, c'est je te fais un trou pour que tu puisses t'étendre un petit peu vers le nord. Ouais. En contrepartie, par contre, je veux l'espèce de. En haut à droite de ton empire, t'as un trou que t'as pas capturé, là. Il y a deux planètes qui m'intéressent dessus. Monde océanique et monde océanique et monde continental, c'est ça? Continental et océanique. Ouais, je suis qu'à 45%, en fait, je peux te les léguer, ouais. Après, il y a des systèmes très intéressants hein, dedans. Ah, mais moi je m'en fous, j'ai juste les planètes. D'accord, ok. Bon, on retourne en standard? Si tu veux. Ouais. Alors, Anka, il fait quoi là? Je vais envoyer un petit message. Il relance Bob aussi. Prends le café avec Bob. Bon, bah on va lancer dans tous les cas, hein, j'ai envie de te dire. On lance maintenant parce que sinon. Là, je fais un spam intensif. Ah oui, c'est vrai, j'étais en pleine construction. Tu veux mettre en normal le temps que les gens se rôdent? Ouais, on peut commencer en normal, ouais, si tu veux. Allez. Allez, c'est parti, les amis. Ça s'appelle comment mon empire? Hégémonie. Qui parlait? Donc du coup, vaisseau scientifique ici qui a plus rien à foutre. Et bah tu vas aller enquêter au sud. On va avoir besoin de plus de monde au sud. Je te pars. Comment ça plus de monde au sud? Mort pas. Où sont mes floods? Putain, la recherche là quoi. Là, c'est quoi ça? Ah oui, j'avais pas encore les redoutes stellaires, putain, j'avais oublié ce détail. Construction complete. Oh putain, je me souviens de rien. J'ai été pollué par mon autre game. Ouais, pareil. Putain, mais ça fait trop bizarre de se retrouver avec que dalle en fait. Putain, mais j'ai une flotte ici qui sert à rien là. Oh, vous plaît pas, je découvre le jeu. Ah oui, mais on me donne un empire développé. Ouais, grave. Putain, j'ai... Alors que Picsou, merde. Voilà, il recommence déjà un peu plus bas, tu vois. Mais non, ouais, ça. Quand tu te montes, ça va. Putain, on va descendre. Non, quoi que pomme. Non, j'ai besoin d'une flotte à ma capitale, même s'il n'y a pas. Grand chose. Putain, on peut plus faire de méga flotte en plus. Ok. Construction complete. Research complete. Ok. Construction complete. Alors, chers amis. Je suis pas ton pote. On va bourriner les.
ça fait trop bizarre de jouer en normal, j'ai tellement pas l'habitude. Oh la vache, j'étais tellement mauvais, je vois toutes les erreurs que j'ai faites. Rapide, quand même. Non, c'est le temps que les autres se connectent. Non, non, les autres sont pas là encore. Voilà. On attend un tout petit peu le temps que les autres arrivent. Ok, ok. Xenologie. Ok, donc en plus j'ai pigé comment fonctionnait les fédérations contrairement à la dernière fois. Bon, on va essayer de faire plaisir à mes factions là parce que j'ai besoin de plus d'influence. Alors, lui, il veut de la xénologie. Oh putain, mais les factions, moi ils sont jamais contents. Oh putain, c'est vrai qu'il y a des que quand je fais la guerre. Alors, philosophie. Bon, ça c'est facile à faire la guerre. Oh, ça coûte des ressources. Ok, donc eux. Comment on remonte ? Ok. Alors, ça, c'est marrant quand même. Ah, ça me fait pas rien. Oh merde, on va loin. On en est là. Non mais là. Ah mais il y avait aussi ça comme fonctionnalité. Ok, ça on fera de la domination derrière. Et eux, non. On peut rien pour eux. Ils sont trop pourris. Oh putain, je peux pas coloniser ce que je veux. Comment c'est chiant. Oh. Voyage par coup de verre. Ok, bon. Alors. Ah, purée, j'ai l'impression qu'ils bougent pas, les gens. Putain, il y a le vaisseau de Bob Lennon chez moi encore. Vous étiez encore en guerre quand ça s'est arrêté? Ah, non, en fait, on venait tout juste de signer la paix. Ah, bah, c'est pas plus mal. Ok, on va faire une petite flotte ici. Evading hostile fleet. Allez. Hostile fleet engaged. Ah oui, c'est mon amiral Bridget. Commandant en chef, amiral de pommes courageuses. Putain de merde. Tu l'as plus, Dudley ? T'avais un général Dudley, non ? Ouais, mais Dudley est mort au combat, je crois. Ah non, 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 Dudley, c'est le grand amiral, commandant de la flotte suprême. Voilà. Putain, y'a personne qui a découvert des... On l'appelait Dudley le scarabée. J'ai trouvé des artistes, des marchands. Y'a pas d'autres PJ neutres quelque part? Ah si, y'en a chez moi. C'est quoi? Des papillons. Ah, oui. Non mais ils font quoi? Ils s'appellent comment? Les conservateurs. Oh, on peut partager les communications? C'est Papy Gâteau, c'est ça? Ouais. Tu les as pas déjà avec moi? J'ai les charolagiens. Alors. Ah non, je les ai pas ceux-là. Non, c'est sûr, je les ai pas, hein. On va faire des vaisseaux de construction là. Alors, t'es où, Ayazu? Ah, je suis en train de te contacter. Voilà, et on va les amener au sud. Ah ouais, vas-y, contacte-moi. Mais je propose juste un truc en échange. Voilà. Tu veux les communications, c'est ça? Ça sent le droit de cuissage. Ouais, le droit de cuissage. Non, 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 c'est rien de méchant. Je demande juste une convention de recherche. On peut voir un truc. Dis-moi, Masta, la planète Ojlar, elle t'intéresse ou pas? Quelle planète? Ojlar. Il y a un monde aride dessus. Non, mais c'est où? Au sud. Ça n'a absolument rien fait, tu t'es foutu de ma gueule. Ah bon? Il s'appelle comment? C'est les conservateurs. Enfin, attends. Ouais. Pourquoi ça me tu l'as peut-être pas reconnu, je sais pas. Attends, je vais regarder directement dans diplomatie. Tu fais F2. C'est les Curator Order. Ah, attends, là, malheureusement, je t'entends pas. Donc. Ça me l'a pas partagé.
Ah, c'est les... Attends, ça doit être les liens de capteurs ou je sais pas quoi. Ok, alors. Ça doit pas être communication, mais les liens de capteurs actifs. Ah, encore une flotte hostile. Ok. Ok. Donc, avec ça, normalement, ça devrait être bon. Ou au pire, vu que c'est un contrat de 30 ans, je pense que j'aurai largement le temps de mettre un avant-poste dessus. C'est peut-être pour ça, si ça marche toujours pas. Putain, faut refaire quelque chose pour l'énergie. C'est quand même bizarre, on a partagé les communications, mais ça m'a pas partagé le... cet empire neutre. Je t'ai pas écouté, j'étais en train de construire des trucs. Non, non, c'est juste que les communications permettent pas de les rentrer en contact avec eux, apparemment. Ah, ça marche peut-être qu'avec les empires alors. Voilà, c'est quoi tout ça? Construction complete. Ah, les champignons de l'espace, je les connaissais toujours pas. Tiens. Ok. Moi aussi. Putain, j'ai trop de pop. J'ai trop de pop. Ça serait tellement cool de pouvoir faire des pings sur la map. Ouais. Ouais, il faut qu'on booste un peu celle-là encore. Bon, on peut se dire qu'à l'admi, on remet en rapide si vous voulez. Clarence. Allez, mon troisième amiral, il s'appellera Clarence. Sœur Marie Clarence. Clarence, Dudley et Bridget. On rigole pas. Personne ne rigole. Alors. What? Pourquoi j'ai perdu une flotte? Construction complete. Ah d'accord, mais en fait on est au ralenti, c'est pour ça, je comprenais pas. Ok. Ça va pas très vite, effectivement. Pas de pressé, hein. Oh, je me suis fait insulter par les robots, quoi. Comme d'hab, quoi. Ils sont un peu agressifs. Léger. Peut-être qu'il y a de le dire. Ah, bah voilà ce qu'il nous fallait. Question con. Les commandeurs, là, pour les flottes... Un croiseur à 4, ça prend 4 places ou c'est un point de commandant le vaisseau? Genre. Je pense pas d'avoir compris. 4 ta capacité normale, mais je sais pas si c'est bien la question. Non, pas la capacité. Le commandant, il a le droit d'avoir 20 vaisseaux. Non, il a le droit d'avoir 20 vaisseaux, c'est écrit. C'est 20 corvettes ou c'est. Il peut avoir 20 croiseurs? Non, c'est la taille du vaisseau en fait. Genre un croiseur qui coûtera 8 de. 8 de capacité navale coûtera 8 dans le groupe du commandant. D'accord. C'est bien de la merde. Ouais, c'est un peu plus dur de faire des grosses flottes. Mais dans l'ensemble, franchement, ouais. Je préfère la Stellaris actuelle. Bah, ça évite d'avoir un truc qui est imbutable, quoi. C'est ça. Après, c'est plus stratégique. Même, bah, comme je te le disais tout à l'heure, mais les militaristes, avant, c'était vraiment de la merde comme faction. Pour se répandre et être stable. Ouais, puis surtout, c'est à partir du moment où le mec il avait une grosse flotte, moi ma flotte à 125K, je roulais sur à peu près tout. Hein. Ah bah. Sur ma partie solo, je me fais défoncer par la contingence. Il y a le Cybrax qui est venu m'aider, mais en fait, il n'est pas sur la map. L'arnaque, quoi. Allez-y, elles sont. Attends, mais il y a des bugs. Ah, Codan. Qu'est-ce qu'il y a, Codan? Il est encore planté. Codan a été banni de la galaxie. Galaxie. Ah, en fait, déjà, je me suis complètement planté. Hein. Pour les populations dans démographie, c'est pas toutes les populations qui sont écrites. Hein. C'était une par une. Donc à chaque fois, je te disais de la merde. J'ai pas compris. Bah, les j'ai populations, quand tu fais F1 démographie, c'est pas toutes tes populations qui sont marquées. C'est une seule. Mais non, parce qu'après, t'as ton ratio. T'as ton ratio.
C'est... Ouais, mais c'est... Quand tu fais F1 démographie, moi il y a marqué 46 pop sur 8 mondes, c'est uniquement ma première race. Bah normalement t'as toutes les races avec le pourcentage. Non non. Si, je crois qu'il a raison, à gauche t'as marqué humaine, et ton cercle est de la même couleur, t'as que des humains toi. Non. Bah si tu regardes après à gauche, t'as pas autre chose que humain. Ah si, j'en ai plein d'autres, j'en ai 3. Si tu cliques dessus, tu les vois pas. Si, mais c'est ce que je dis, c'est qu'on faisait pas ça d'habitude. Mmh. Ouais, après pour les voir toutes, faut y aller. Faut y aller. Je crois que moi j'ai déco. Oui, je confirme. On te confirme. Alors. Non mais attends, si t'es au sud, tu descends, mec. Qui est mort? Mon gouverneur. Fuck. On va faire un vaisseau de colonisation aussi. Tiens. Putain, il me faut un vivier de personnalité plus important, là. Ça va pas du tout. Putain, je suis en déficit d'énergie, là. Ça rigole. Est-ce pas que trop. Tu veux que je t'envoie de l'énergie contre du minerai. Si t'en as un rap de l'énergie. Non, pas des masses, non. Je peux t'en envoyer 100. Non, mais c'est bon. Incoming transmission. Bon. Je vais en avoir beaucoup dans pas longtemps. Parce que non, mais c'est bon, je. On vient de me fournir. J'espère que tu vas pas trop bugger, Conan, parce que à chaque fois ça nous bloque. Oula, ça sent les alliances. Ça sent les alliances. Non, non, mais comme je te dis, en haut, on a un conglomérat économique. Et là, je viens de recevoir une petite surcharge d'énergie. Pas de nouvelles dans le cas où de Bob? Pour le moment, non. En cas galère avec ses connexions. Vas-y, appelle Bob, là, ça manque d'action quand il est pas là. Je sens que les gens sont trop gentils. Ouais, je t'ai muté. Bon, je propose qu'on fasse une trêve avec la Péruvie, le temps que Bob revienne. Bah, ça serait un peu pute en fait, c'est sûr, de se mettre à 3 sur toi, mais... Non mais je sais que vous considérez que je suis un très bon joueur et que potentiellement ce serait équilibré d'être 3 contre moi, Ce qui est indéniable, c'est que tu nous as surpris, parce que au premier live, tu donnais absolument pas l'impression d'être capable de te défendre, c'est sûr. Mais au premier live, j'avais pas une seule station de minerai, à la fin du live, j'ai pas une seule station de minerai. Je me méfiais de l'Okidor. Jial. Mm-hmm. Pardon, pas Jial, Masta, t'es là? Ouais. Si t'as un surplus de minerais, je veux bien, je suis en train de créer la flotte de Fédé. Mais non. Je peux t'en envoyer, moi, si tu veux, un petit peu. Tu n'es qu'un associé. Merci, en tout cas, pour les crédits. Alors, bon, il va falloir une flotte assez puissante pour taper là-dedans. Quel crédit? Je vois pas de quoi tu parles. On est à combien là? J'ai une flotte à combien? 910? Ouais, c'est pas suffisant. Alors, un peu. Oh, je peux construire des croiseurs. Ouh là 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 là, ça coûte cher! Ah bah. Allez, 2 croiseurs, 4 destroyers, c'est parti. Les yeux fermés grâce à l'économie scarabée. Et les donations généreuses. Ah, ça y est, c'est le moment où je perds tous mes scientifiques. Il se suicide. C'est passé 45 ans, c'est fini quoi. C'est l'âge, on peut rien faire. Hein. Ce qui est marrant, c'est que je les recrute à 35 quoi. Ils sortent de l'école. D'accord, c'est écrit. Le truc quand tu mets la sous-produit, c'est écrit scientifique de compétences 4 requis. Quand tu vas dans les options, scientifique de compétences 5 requis. On va essayer de se redresser un peu là. Allez tous vous faire mettre. Ah. Ouais, des promesses. Du travail, encore du travail. Ouais, puis fuck. Ouais, et puis fuck, on va faire comme n'importe quel gouvernement. On va rien avoir à foutre de la dette.
Voilà. Tu as moins 25, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est moins 25, hein? Bah, c'est moins 25. Alors, Ojla. Putain, j'ai un million de trucs à prêter, mais j'ai pas tué. Comment on va faire? Donc, alors, petit rappel des faits. Là, comment ça se passe? Donc, il y a un Trimuva au sud, et sur la gauche de Hégémonie, là, Sutarian Imperium, en marche, 01000, Inbot Imperium, c'est qui gère tout ça? Eh bien, c'est personne, Lia. En fait. Ah non, pardon. C'était les potes d'Anka, je crois. 001 et Ibot, Irobot, c'est Lia qui gère. D'accord. En marche, c'est Kodan, et Galaxy Imperium, c'est Einkard. D'accord. Et le mec qui dit pas grand chose à un super gros empire, c'est Mangazor, tout en bas. Mmh. On passe en rapide. Que les choses sérieuses commencent là un peu. Oula, ça passe en rapide. Ouais. Colony established. Ah, les viewers, il me faut un nom pour la troisième flotte. Sachant que la première flotte, c'est Pomme Délicieuse, et la deuxième flotte, c'est Pomme Courageuse. Granny Smith, non? Et sachant Pomme que, l'amiral de la troisième flotte s'appelle Clarence. Voilà. Pomme d'amour. Ou Pomme d'api. Ah, je me fais pas conseiller par mes ennemis. Pomme d'Adam. Pote. Ah non, il veut pas. On est des ennemis. Pomme gourmande. Allez, c'est validé. Troisième flotte. Alors comme ça, je suis un ennemi. Non, on est tous, hein, il l'a dit. Hein. Pomme gourmande. Ouais, boulette. De toute façon, Pomme gourmande va aller attaquer. On va essayer de nettoyer le système de Ridigus rapidement. Là. Construction complete. Sinon, on pourrait attaquer par là d'abord, parce que là c'est compliqué. Là, ça avance des revendications. Putain, je suis à moins 44 en crédit énergétique. Putain, l'IA de Bob me faire la guerre. Il a pas compris qu'on était en paix. Je pense qu'il l'a programmé pendant que t'étais pas là. Moins 61. Ah mais oui, mais d'accord. En même temps, il a passé beaucoup de temps à m'insulter. Qui ça? Par Bob, la dernière partie. Ah oui. Ok, alors. Il faut y aller là, parce que là ça coûte trop cher. J'ai un vaisseau scientifique. Oh, vaisseau colonial dans le coin. Mais j'ai des mandats purés. Waouh, j'étais bleu ces dernières parties. Il y a trois mondes jaunes. Et je me plains de pas avoir de planète. Voilà. Construction complete. Il n'y a plus rien à construire là. Ok, soit. Ici, qu'est-ce qui se passe? Allez, c'est la guerre! J'ai hâte de voir mon croiseur en action. Il est où? Ça doit être lui. Ok. Donc ça c'est bon. Vaisseau scientifique, s'il vous plaît. Putain. Construction complete. Ah
Attends. Est-ce que vous l'avez vu la dernière les dernières vidéos de Mathieu Sommet? Ouais. Ouais, elles sont sympas, j'ai bien aimé. Ouais, ouais, j'aime bien aussi. Ah, je vais pouvoir passer dans les trous de verre. Je me demande chez qui je vais aller. J'ai un trou de verre chez moi. Suce mon gras. Suce mon gras. C'est bizarre, des fois, les vaisseaux scientifiques, quand ils sont en exploration automatisée, bah, des fois, ils arrêtent tout simplement. Je comprends pas. Ouais, pourquoi. C'est parce que t'as des fermetures de frontières, en fait. Ah oui, si, ouais. Ils sont bloqués. Non, mais là, ils étaient pas bloqués, tu vois. Si tu veux, je les ai relancés sans aucun problème. Après, il peut être bloqué s'il y avait des flottes ennemies qui passaient, qui leur a coupé tout accès à un nouveau système. Et dès que l'ennemi part, ça réouvre le chemin et tu peux les relancer. D'accord. Sans doute ça. Ah, d'accord. J'ai enfin débloqué le passage et mon scientifique qui meurt à ce moment-là. Il aura jamais pu voir l'autre côté. Toute sa vie, il a attendu. En plus, j'étais en train de construire la flotte pour lui dépanner. Il est mort. Oh merde. Dis donc, 00100001100, il s'est bien expandu. Hein. C'est l'IA. Ouais, je sais, il s'est bien. Ouais, il sait ce qu'il fait, c'est bien. Ouais, il est pas. Il est moins gros que Galaxian. Ouais, c'est vrai. Putain, je suis tellement en dèche là. Alors. Ici. En fait, le fait qu'il n'y ait plus Bob au sud, bizarrement, ça câble les tensions. C'est fou ça. C'est lui qui poussait aux tensions. C'est ça, il arrêtait pas de créer. Moi, je demande qu'à rejoindre la paix mondiale et la paix galactique. Quoi. Je suis un partisan de la paix. La paix, ça sert à rien. Battez-vous. Je suis super loin. La paix, c'est un moyen de faire des économies pour la guerre. Voilà, parce qu'après, il y a tout le reste de la galaxie. Hein. Bon, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à craindre des Apple? De quoi? Il y a un problème? Non. Non mais dis-le, tu peux le dire, on est... c'est ça, tu penses qu'on est une sous-race? Alors, on craint un peu les... Installe-toi sur le divan. On craint un peu les catapultes Taplum, en fait. C'est genre une pomme de l'espace. Attends, tu vas voir les pommes laser, mon gars, ce que ça fait. Pensez à installer des essuie-glace, les mecs. Les pommes laser. Putain, il est en train de reconnaître tout mon système. Mais oui, je suis trop con, putain. Oh, j'étais tellement paumé les deux derniers lives. C'est bien de le reconnaître. Ah ouais, non, mais. Ouais, t'as tellement fait de la merde que. J'arrêtais pas en mode j'ai pas de planète, tu pars, j'en ai 3 en fait encore de coloniser. Mais quand tu vois qu'elles sont jaunes, alors tu te dis ouais, c'est pas possible. C'est ça. Mais je me rappelle même pas les avoir vues, c'est ça le pire. Putain, mais j'ai que des factions bien pourries. Research complete. Construction complete. Ok. Est-ce que ça sert la recherche capteur gravitique? Non, ça sert à rien, fais-la pas. Moi je la fais, mais juste pour qu'elle arrête de s'afficher. Même pas ce que c'est. C'est des trucs chiants en fait. C'est des trucs que tu installes sur les stations. Qui te coûte des crédits énergétiques juste pour voir à 2-3 systèmes plus loin les mouvements. D'accord, merci. Ça peut être utile quand t'as genre une pauvre étoile perdue au milieu d'un empire adverse, c'est quand même cool de pouvoir regarder, mais en début de partie ça bouffe trop de crédits. On est en train de mettre la machine économique en bas là pour progresser plus vite. Ouais, pareil, je commence à mettre. De toute façon, je m'arrête à la frontière. J'ai un peu trop de travail déjà sur mes terres pour de toute manière avoir envie de te faire chier. Debris analyzed.
D'ailleurs, si t'as des... Est-ce que t'as des problèmes de pirates actuellement, Xekar ? Parce que j'ai la flotte de la Fédération chez toi. Putain, ça me coûte pas cher. Bah, j'ai chez Gribon, là, qui est à droite, je sais pas ouais, ce qu'il y a. Ouais, non, mais plus tard. Je sais pas, bah, je vois pas ce qu'il y a, juste les pourcentages de vie. Construction complete. Attends. Là, il est gentil, les nonnes, il m'a réouvert ses frontières. Ah, parce que t'es en bonne entente avec l'IA. Peut-être, je vais pas parler depuis le début. Ok. 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 Minéraux plus 10, habitabilité moins 5. Non, c'est pas ça que je voulais. Ok, je construis un pacte migratoire avec je sais pas qui. Mais... C'est avec moi. D'accord, bon bah pourquoi pas. Quelqu'un à l'autre bout de la galaxie. Dans le rentable, je... Oh, mais, stop. J'ai peut-être un peu trop cliqué tout à l'heure, j'étais en train de construire une dizaine de vaisseaux comme ça. Oh, le boulet, quoi. Non, ça va, j'ai stoppé, il y en a que deux. Ok, voilà. Non mais, ça fait quoi la liste de capteurs actifs en fait? C'est pour voir les vaisseaux des autres. Ouais, tu vois tous ces vaisseaux et les déplacements de ces vaisseaux. À condition que ça soit placé sur un truc frontalier. Bon, bah je suis bien. Comme si quand je sais pas qui c'est, je dis non. Ah, tu parlais des liens de capteurs actifs? Ouais. Bah, c'est ça, tu partages les déplacements. Et j'ai eu un truc, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais... Genre j'ai mon scientifique qui m'a envoyé un rapport comme quoi ça l'avait gavé de devoir aller fouiller une zone parce qu'il y avait ouais, parce qu'il a raté son machin. Ah, juste parce qu'il y avait rien d'intéressant à voir. Parce que ouais, c'est qu'il, il a raté son... C'était une anomalie. Et en ouais. fait, bah, t'avais, je sais pas, 5% de chance de rater, bah t'as été dedans. Non, t'as raté et du coup il te dit, oh bah en fait y'a rien. Oh, c'est mieux quand il dit ça qu'il dit... Ah bah en fait ton scientifique vient de tomber dans un trou noir. C'est clair. Tu n'as plus de scientifique. Quand en début de partie que ton scientifique il est niveau 3-4 et que t'es là, t'es... Yeah, je vais faire les... Bah non. Votre scientifique est mort de faim. Putain. Oh là là. Oh là ça va être la galère là. Qu'est-ce qu'il y a? Japan, Smile, Ostrom, il y a des pirates. Et moi je suis en train d'attaquer 2-4 flottes à Redigus là pour essayer de nettoyer le truc. Mais c'est pas gagné. Alors, Jason Malestrom, c'est où ça? Ah bah oui, bien entendu. Je crois qu'il va falloir que je déclare une petite guerre. À peu près. Parce que, en fait, il y a personne chez vous. La moitié de la galaxie est vide, sauf dans le sud. Exactement, t'as tout compris. En fait, le sud, ça va. Tant qu'il n'y a pas Bob qui est là pour crier des menaces à tout le monde. Oui. Mais est-ce que ça nous intéresse? Putain, y'a un cassis de flotte pirate, sérieux? Bizarrement, j'ai des forteresses qui se sont créées près de chez Silent. J'ai des doutes. Bon, tout va bien. Bon, Masta, je pète les pirates qui sont venus chez toi. Bah alors, Isarian, on refuse un accord commercial, c'est pas gentil ça. Pourquoi tant de haine? Je ne suis que gentil. Mining station lost. Tu cherches la guerre? Personne ne cherche la guerre. System Survey. Vas-y, baisse les yeux, scientifique. Bon, après, voilà, il y a quelques forteresses dans ce coin de la galaxie. Il faudrait bien que j'aille mettre quelque part, quoi. J'ai pas beaucoup de place. System Survey. C'est ça de pas avoir le choix. Hein. À la frontière POV, cher Rodrigien. Il y a des remparts, il y a un big wall qui a été construit dans la galaxie. Genre il y a trois forteresses. Putain mais c'est une blague. Il m'a demandé un truc à ce connard là. Oh ouais il est gentil hein.
Les nonnes, ils me donnent 1700 crédits et 600 de minerais. Gratos, c'est cadeau, mais... c'est pas cher. Va l'attaquer. Oh, le mec, il profite tellement, quand même. Ah, je profite de rien, moi, je suis neutre. Je viens d'arriver. Papy gâteau, non, j'ai construit l'avant-poste chez les machins trucs. Tu devrais peut-être les voir, du coup. Je pense qu'il y a force. Non, je sais pas, ça marche pas. Oh. Putain, je viens de me ruiner. Je m'aurais pris un scientifique. Et j'ai plus 10 ou plus 20 en recherche. Nice. Alors. Enfin, je peux pas sortir de chez moi à moins de déclarer la guerre à Bob. C'est fâche. Ça va être compliqué de faire. Je propose un vote du public pour savoir si je dois déclarer la guerre à Bob. Oui. Ah oui. Non, laisse les IA tranquille. Bah oui, mais sauf que je suis coincé chez moi en fait. T'es coincé à que dalle, c'est juste que t'as pas envie de t'attaquer à d'autres personnes. Bah, le problème, c'est qu'on peut pas te laisser envahir à Bob comme ça. pas très équitable. Et on va partir là-dessus. Putain, j'ai plus de. Aïe aïe aïe. Ah, c'est ça, tu finances Silent dans ces guerres. Non, j'ai plus de pommes là, putain. Colonization in progress. Comment ça, t'as plus de pommes? C'est toi l'empire des pommes? Bah ouais, mais comme quoi, s'ils se reproduisent trop vite. Construction complete. Pour ça que c'est bien les robots. Faites des robots. Ouais, tu verras ça quand les robots ils vont envers la galaxie, qui vont essayer de péter tout le monde. Pour les nobles, les robots. Jouez les scarabées. C'est bon les scarabées. Hop. T'as déjà goûté? Ouais. Ah! Ça croque. Ok. Putain, mais. Bonheur 0%, c'est une blague. Ah, pareil, j'ai eu une crise du bonheur aussi. Non, moi, ils sont tous. Il faut donner un peu d'argent aux artistes là pour augmenter votre bonheur. Ah, mais je crois savoir pourquoi. Parce que j'ai des militaristes qui se trompent en guerre. Ça doit être ça. Y a moyen de savoir d'où vient le mécontentement? Bah, tes factions potentiellement? Putain, je vais regarder sur les. C'est toutes tes factions en fait. Bon, non. Il n'y en a qu'une seule qui est en rouge, mais les autres non. Non, tu peux regarder sur les pop dans sur les surfaces de tes planètes. Tu cliques dessus. Et tu vois le taux de bonheur. Sur les planètes, t'as une barre verte ou rouge. Entre les ressources et le portrait du bonhomme. Ouais. Et bah tu vois celles qui sont pas contentes et pourquoi quand tu te mets sur la barre. Bah y'a pas marqué en fait, pourquoi. Il y en a une qui déteste. Mets-toi sur la barre. Ah la vie de bonheur, ah peut-être bonheur des factions en effet. Tu vois moi par exemple mes esclaves ils sont à base, de base ils sont à 50. Ils ont plus 10 avec les traditions, moins 20 parce qu'ils sont pleine possession et moins 10 pour la misère. Station lost. Ah oui, faut que tu règles, tu peux régler. Putain, mais ça commence à me casser les couilles là. À quel point ils sont dans la misère aussi. Mais d'où ils sortent, putain? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? J'en ai de partout. J'ai des pirates qui sortent de partout quoi. Ils ouais, flottent à 1K5 dans tout l'Empire. Non, ils sont chauds. Hein. 1K8 pour moi. Ça va être sport. Allez. C'est que dalle. Mais oui. Construction complete. On va retourner à Hadar là. Hadar, on va faire quelque chose. On va améliorer les défenses. Encore d'autres actions, mais calmez-vous! Calmez-vous! Pourquoi je peux pas nécessiter un monde colonisé? Ok, cool. Ah, ils m'ont tout pété les bâtards. Ça va être compliqué pour moi. Pour qui? Pour moi, pour Kodan. Qu'est-ce qui se passe? Les IA? Ouais, un peu hostile. Comment on fait quand on est une faction qui nous déteste et que genre ce qu'elle te demande c'est trop difficile à atteindre? Tu es là. Et comment tu fais? Je crois que tu peux la réprimer, tu vas sur gérer faction.
Après, il y a adopter, favoriser, réprimer. Ah bah tiens, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Réprimer, bim. Voilà. Bien vu, je vais la réprimer. Ah, du coup, bonheur 0%. Ouais, pareil, je m'en rends compte. T'es sûr que c'était la bonne solution? Ouais, si t'as, si t'as pas de gaz sain, c'est la deuxième meilleure solution. T'es spiritualiste ou pas, Jal? Je suis très spiritualiste, moi. Ah, vas-y, fais un pacte de. Ah, mais on a déjà un traité migratoire. Faut qu'il migre tous chez toi. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'en veux pas de mes merdes là. J'ai plus de place sur mes planètes. Je peux pas proposer la réimplantation chez toi? Genre, je te les donne. Putain, je suis obligé de claquer la loi martiale sur mes planètes. T'as ce point? Mais ouais, je comprends pas la crise du bonheur que je me tape. La crise du bonheur. Ils ont tous envie de crever, quoi. Les gens se tuent. Mais va dans espèce. Allez, on y retourne, mes amis. On va essayer de faire quelque chose. Les droits sur ton espèce, tu leur donnes les droits. Bon, les pommes, c'est stabilisé. Ah, là. Mais oui, vu que j'ai une faction militariste, ils doivent avoir des droits pourris. Ça va être ça. Putain, j'ai encore un vaisseau colonial qui fout rien, là. Oh, j'en ai marre. Allez, bien-être social, hop. Ils sont plein citoyens. Je sens que ça va être la game super calme aujourd'hui, genre pas trop de guerre et tout, là. Ouais, y'a pas Bob pour attiser la haine, hein. Non mais voilà, déduisez-en ce que vous voudrez, hein. Putain, je suis quand même constate. Ah, c'est les stations qui me coûtent une blinde. Constate que vous avez pas de couilles, ouais. Je vais attaquer l'IA après. Actuellement, c'est juste, tu vois, du fair play de ne pas détruire les terres de Bob. Attention, attention aux propos. J'ai pas Spaceport under attack. Ah mais j'ai pas de général. Ah ouais, Spaceport, carrément quoi. Fuck. Putain. Comment ça bien faire ces conneries là. System survey complete. Mining station lost. Non, j'ai 5 bases spatiales. Oui, j'ai Kezo, je suis con. Bon, je vais déclarer la guerre à Hirobot. Hostile station engaged. Putain. Oh, le bordel, quoi. Bon, toi, t'as fini, là hein. Si t'as fini, tu vas... Bah, je peux plus m'agrandir, moi. Donc, en vrai, j'attends. Voilà ce que je fais. Ouais, bah, t'es pareil que moi. Ah, comment on augmente la capacité navale? Faut que avec des recherches ou des avec les ancrages sur les stations. Oh, oh putain, Kodan. Ah putain, Ryan contre Hirobot. Cela commence à tarder. Coloniser un monde rouge, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tiens, du coup, je peux, Krug et Xeka, on peut avoir une petite discussion. Putain, il m'a tout détruit quoi. Tarian, Tribot, qui ça? Ouais, j'arrive. Xeka, c'est vers le centre, tu viens sur le channel sud. Chef, oui, chef. Il vient de me détruire tous les trucs que j'ai fait là. Construction complete. Putain, oh c'est là, c'est l'hécatombe. C'est la catastrophe économique chez moi. Research complete. Sultana Imperium. Tu crains la gueule. Ouais, donc ça c'est géré. Alors... Bon, on va faire ça pour le moment. On va partir sur l'énergie. System survey complete. Encore des problèmes de pommes. Foutez de moi. Ça valait bien le coup d'en avoir mis. Après tout ce que j'ai fait pour vous.
Ah, il faudrait que je fasse des modifications génétiques sur les miennes. Oh, la nouvelle race que j'ai provoluée, elle peut aller sur les mondes morts. Trop bien. Ships upgraded. Alors attention, je rejoins, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit lag. Préparez-vous. Ça devrait aller. Tac. Alors, centrale bétarienne. Oui! Je dis oui! Ah! Petit lag. Ah, j'avais prévenu, hein. Ah, il faut faire quelque chose pour ta connexion, là, c'est plus possible. Ouais, ça va être mieux que la semaine dernière. Bah, non. Si. Ah, tu t'es déco deux fois déjà, non? Ouais, la semaine dernière, j'arrivais pas à me connecter. Là, j'ai la télé qui arrive à tourner en même temps. Ah, non, coupe mais. Coupe la télé! Non, mais tu coupes la télé, t'es en train de tous nous ralentir, là. Ah, comment dire, je préfère la guerre avec vous que la guerre ici. Là, nous, ça nous fait chier. Ah là là. Bon. Bon bah, t'auras la guerre. Qu'on aille le déboîter. Mmh. Ouais, je pense que va falloir se débarrasser de lui. Et quel empire déjà, Conan? La pure vie. Ça, je sais, ça, je sais que c'est pas lui. C'était bien essayé, moi, je trouve. C'est presque passé. Non, non, la Péruvie, je pense qu'elle est beaucoup trop connue. Pour... La Péruvie est célèbre, quand même. C'est clair. Péruvie est reconnue dans le monde entier. Allez, c'est bon. Non. Ah bon? Putain, je suis tellement à la traîne. Bon, je pense que j'ai pas le choix. Allez. Putain, je perds toujours des pommes. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Est-ce que tu veux des pommes? Je propose un traité de pommes. Attends, déjà je... Comment te dire? J'ai des feux de... Des trucs qui se balancent dans tout l'Empire. Elle m'en repose, pardon. J'ai un vaisseau colonial qui est encore perdu. J'ai peut-être fait trop de vaisseaux colonial d'un coup, certes. Quoi? Comment ça mon vaisseau scientifique se fait attaquer? Mais il est débile? Pourquoi il essaie de fuir dans le sang? Oh là 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 là. Merci. Il essaie de fuir là où il y avait les monstres, quoi. Ah, j'y crois pas. Oh, JPP. JPP de ces vaisseaux scientifiques débiles. Ah bah voilà. Toi le vaisseau scientifique. Bon. J'ai quelques chemins pour m'échapper. Par où est-ce que je vais passer? Cette base pirate elle, me semble un bon choix. Construction complete. Non mais re quand même, enfin faites un effort putain. Ah pop synchronisé ouais. Faut faire quoi? Non faut rien faire je crois. Ouais non tu relances c'est tout. Alors. Ce que j'aimerais bien moi c'est qu'on se... Eh les gars faites... franchement c'est chiant les gens qui déco hein. Faites un effort. Kick from Discord. You've been kicked. Nick, sa maman. Putain, les recherches, mais j'ai tellement pas de capacité de recherche. Oui. Bah les couilles. Balik. Je commence à être en manque d'aspi pour nombre des systèmes. Là, il faut que tu produises plus. J'arrive pas trop à comprendre ce qui se passe chez moi. Le système caractère max. Colonization in progress. J'ai pas le goût. What? C'est quoi? Debris analyzed. Ok. C'est l'un de toi qui doit avoir l'habitude des noms des étoiles. Regarde la plus en bas à droite. C'est le mec en panne d'aspi. Shabas Gohan. Shabas Gohan.
Putain, mais mec, t'étais au bout là. Je sais plus quoi mettre. Je sais plus quoi mettre. Qu'est-ce qui se passe en bas? Attends, je... Ah bah non, mais j'ai pas les liens de capteur. Quel dommage. Je n'ai pas pu participer à la blague. Il y a un gros manque d'aspice sur mes étoiles. Ah ouais. En gros, je mets chat quelque chose et c'est généralement des jeux de mots. D'accord. J'en trouve plus. Ouais, mes pommes, je sais, je suis à 38 plus 0, ça craint. Masta, t'as la flotte de Fédé chez toi. Hein. Si tu veux en profiter, c'est maintenant. Pour vider tes terrains ou des trucs comme ça. Oh, le mec, il a l'air déprimé. Bah, vas-y, redonne à moi. Hein. Je peux? Non, je peux pas. Ouais, le voyage par trou de verre. Oui, pareil. C'est bien, on en a pas. Oui. Ah merde, bah du coup, je vais pas tomber chez toi. System survey. Et moi non plus. Anomaly found. Ah, il y a des pirates. Mais quoi, d'où ils sont? Ah, un astéroïde, d'accord. Il fait quoi lui? Ouais. Il fait ce que je lui dis, ça change. Ships upgraded. En fait, depuis qu'il y a le système des stations, c'est un peu ridicule l'événement de l'astéroïde, de ce qui se fait détruire par la station. Ça dépend dans quel sens ça arrive. J'ai déjà vu un astéroïde qui pouvait pas se faire péter par la station. C'est pas fou. J'ai un problème avec un secteur, je comprends pas. Je lui ai mis une planète dans son aura, mais il veut pas la coloniser. Pourtant, j'ai bien le droit de coloniser. Ah oui, parce que le droit n'est pas, mis de base. Ah, tu l'as mis ? Ouais, je l'ai mis, mais il fait rien. Ah, c'est juste que... Oula, attends. Alors, avec les centrales bétariennes, les amis, je crois qu'on va réduire rapidement le problème d'énergie, au moins. Ça fait combien une centrale bétarienne maintenant ? C'est plus 10 d'énergie, je crois. Oh, c'est... Bon, ça n'a pas changé. Oui, peut-être, ouais. Mais pour ça, il faudrait que j'ai de la pierre bétarienne. Je suis en train de remarquer que je n'ai peut-être pas de pierre bétarienne. Ce qui trop est dommage. Le métal vivant, c'est trop bien. T'as un foutez-moi. Qui régénère les coques, même quand je suis pas dans une station, c'est parfait, quoi. Ah, c'est Krug, le nouveau chef. J'ai pas de pierre bétarienne. Ah, moi non plus. J'en ai pas trouvé. Putain. Ah! Qui veut du minerai? Je suis bloqué, moi. Non, moi ça va. Putain, y'a le bot 001 machin là qui me demande d'être associé de la fédération. T'en penses quoi, Masta? On dit oui? C'est quoi? Il est vachement loin par rapport à vous. J'ai refusé. Je vois pas l'intérêt d'être avec lui. Ouais. Le mec il est au bout de la galaxie. Eh oh. Et vous là-bas? Ça vous on va pas être copains. En fait, je vois pas ce qu'on a gagné d'être avec lui. Le fait d'être associé à une IA. Si t'as des crédits énergétiques, par contre, je dis pas non. Tu me payes combien? T'as des minéraux? Je viens d'enfiler à Masta, si tu veux, je peux t'en filer un petit peu. Tu m'en refiles. Ah. C'est vous déjà pour filer des trucs? Ah, c'est bon. Ouais, bien sûr. Construction complete. J'ai besoin de thunes. Putain. Ah mais d'accord, les ancrages on peut en faire plusieurs. Ouais, il y a certains bâtiments seulement qui sont uniques. Genre le capteur de signaux, celui-là pareil. Ça rien. Putain, pour essayer de stabiliser cette économie, mais c'est une galère. Construction complete. Ah, j'avoue que j'ai des petits problèmes énergétiques. C'est en train de s'améliorer, mais... Bon, j'ai un petit problème, il y a genre... une flotte de 1600 là qui a débarqué. Je peux pas pouvoir faire grand chose là, j'ai 300 mecs. C'est toi, Salente? Non. Non, non. Moi, c'est pas une flotte de 1600 qui va me faire peur. Hein. Je vais la défoncer. Oh là là, mais c'est possible. Comment il se la pète? Je vais la défoncer, Val. Merci. Oh, plus 1000 minéraux pour avoir détruit l'astéroïde, cool. Laisse-les péter tes mines, je devais de la thune dès qu'ils ont fini. Cherchard, là, j'y viens, t'arrives. Non, t'inquiète, je suis à plus 31, je devrais pouvoir construire. Xenozo. J'en d'ailleurs. Alors, on va aller voir les décrets, tiens. Comment ça?
Bah... Pourquoi pas? Mais nos frontières, c'est la Corée du Nord et du Sud, ça sert à rien de s'envahir. Bon, d'accord, c'est vraiment pour la scène internationale que je te déclare. Bon, je vais voler toutes les forteresses. Vous ne passerez pas. Putain, mais ça coûte trop cher en influence, je peux pas. Putain, mais c'est trop bizarre comment ça s'est calmé au sud. Ah, mais en fait, t'avais deux empires qui se tapaient la tronche. Donc ils sont Et t'as l'empire de Krogue bah, qui fait sa petite vie tranquille. Ouais, c'est surtout que moi, en fait, j'ai regardé un petit peu la carte et j'ai vu la taille de mon empire par rapport au reste de l'univers. J'ai dit, oh, Krogue, ferme un peu ta gueule et occupe-toi de ton empire. Très clairement. C'est beau. En fait, depuis le début, je pensais que je jouais les champignons. Mortel de merde. Non, si je regardais la carte, j'ai vu une petite tache au milieu, je voulais l'effacer, et puis après, oh merde, c'est moi. J'échange minéraux contre énergie, comme vous voulez. Qui veut pas ouais, de soucis. Un pour un avec Krogue. Minéraux contre énergie. Ouais. Qui c'est toi qui donne l'énergie ou... Non, c'est moi qui donne les minéraux. Ah. Moi je prends, attends, je peux t'envoyer. La pyrophie a de l'énergie à revendre. Allez, alors, dans ce cas-là. Il vient de m'insulter, Zyland, c'est pas. Je suis en route, Pixou, hein. Je suis bientôt dans le temps. Merci. Le mec, tu l'insultes une fois, c'est bon, quoi, c'est. Et alors, il est parti de chez toi, il est où? Pourquoi je le vois plus? Bon, genre, tu t'es jamais fait insulter. Ouais, je crois qu'il est parti. Ouais. Il est parti où? À Rue Europe? Putain, je suis à moins 6 de pommes, quoi, sérieux. Ouais, je pense qu'il est parti vers Rome, mais ouais, il doit être parti là-bas. Il doit être en train de remonter. Je sais pas trop où il va. Ok, donc ça c'est géré. Les pommes. Les pommes. Putain, mais c'est tellement la galère. Oh putain, ils reviennent me faire chier. Tile blocker clear. Merde. Putain, faut que je vérifie toutes mes étoiles. Je crois qu'il avait déjà rentré celui-ci. C'est bon. Agitation, famine. C'est la fin. Putain. System survey complete. Oh, c'est le nom de mes gosses. Il te faut juste des pas, Jay, ou... Ouais, je suis à 0-12, MDR. Bah attends, ouais, c'est... Ouais, j'ai... Pff, tant pire. Je peux bien te passer ce qu'on jette dans les coups. pomme, on met de la javel dessus. Putain, mais c'est dingue, comment je peux passer à moins 12? Expliquez-moi, quoi, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que t'es en train de coloniser. Mec, ça me stresse, Picsou. Encore ? Non mais mec, c'est toutes les 5 minutes, là. Oh, putain. Incoming transmission. Bon. Bon, ah oui, c'est tous les 30 ans, faut remettre à jour. Ouais, merci, mais... Je suis juste à moins 15, là. Il y a un truc qui va pas. Ah mais attends, mes pommes sont... Ah mais d'accord, ils cassent... Allez, d'accord, comme ils ont la dalle, ils cassent les fermes hydroponiques, c'est con. C'est logique. C'est quoi cette faction que t'as? Ils sont pas bien dressés chez toi. C'est des Jolly, hein. La deux team. D'accord. Moi c'est venu. Cassons tout. Je veux pas qu'on aille taper Redigus, Jal. Alors. Comment te dire, je suis déjà occupé à taper ma population intérieure et Redigus, je l'ai déjà tapé, hein, c'est bon, c'est clair. Ah d'accord, mais tu l'as pas colonisé. Bah je suis en train d'envoyer un vaisseau dessus là, mais je t'avoue que j'avais des problèmes plus importants. J'ai nettoyé toute la flotte dessus, si tu veux je te la laisse. Construction ship lost. Re tout le monde, bon j'ai encore des coups mais je vais pas vous embêter avec une reconnexion qui va voir la gueule de fond. Ah. Le bordel, quoi. Ouais, c'est ça le problème. Putain. Putain, c'est chiant. Ah, mais
Il va pas en convention demain, Bob? C'est pas pour ça qu'il est pas là? Je sais pas. Qu'une idée. Il sent qu'il y en a une demain. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah alors c'est pour ça. C'est pour ça. Ouais, j'ai regardé le truc de Panta qu'il y avait ce matin et lui aussi il y va. Truc. Je sais plus c'est quoi le nom, il me semble que c'est en Belgique. Bon, le connaissant, c'est un truc sur. Non. Les Picsou, je les ai trouvés. Curator. Merci. C'est la dernière clé. Ok, ouais, c'est la 4. C'est la 4. Elle était au-dessus de chez toi en fait, la station. C'est pour ça que j'ai encore des pires. Score de pire. Bon. On va essayer de faire quelque chose d'intelligent. Tout ça. Ce qu'on a besoin, c'est des pommes. Tant pis, je vais sacrifier mes laboratoires. Mon cheval, un royaume pour un cheval, ça aurait été remplacé par pomme dans Religion Jedi. System survey complete. Construction complete. Putain, mais je suis en guerre avec tout le monde et mes factions, elles sont diplomatiques avec les aliens. J'ai rien compris. Aïka, tu viens sur le canal diplomatique avec moi, s'il te plaît? Non. D'accord. Voilà, c'était la diplomatie. Ah mais si, j'avais du minerai. Enfin, du bétarien. Une carte, il est pas là. C'est la cata, les amis. T'es encore là, toi? Ouais, je suis là, moi. Ok. C'est la catastrophe. Alors, c'est qui parle? Mangazor. Et... Si, moi, je suis là. Oh. Ah non. C'est Kodan et... Benacard, c'est ça? Le mec. Yezu qui essaye de comprendre ce qui se passe à chaque oui, fois. Oui, j'essaye de voir s'il se passe un truc. Il me semble que c'est des... Il me semble que ces voix-là, c'est des personnes près de nos frontières. Donc... Pomme rouge prime, il y a des agitations et du terrorisme. Génial. Du terrorisme. Attentat à la bombe, à la pomme explosif. Ça se moque. Ça se moque. Alors, ça va chez qui le trou de verre? Ça va chez Hégémonie. Ouais, c'est qui Hégémonie? C'est Bibi. Zekar. Fais gaffe, Zekar, c'est un. J'aurais pas dû dire. C'est quoi ce délire? 0-39. Mais production, elle s'effondre. Putain, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. On a eu encore une demi-heure, tu vois, ce qu'il reprend ce qu'a fait Vinch, mais. Il va venir avec des plots de Bika, je te conseille. Okay. Quelqu'un a des pommes à me filer contre du métal? Genre 100. Moi, je peux te donner des billes de pommes si tu veux. Ah mais t'avais fait des grosses... Ah ouais bah vas-y attends, je te... Parce que là c'est la cata là, je peux pas m'en relever en fait. La PRUV peut t'envoyer 1000 de pommes. Incoming transmission. Terraformation. Allez. Incoming transmission. Thanks. Regarde, en remboursement... Attends. Ok, donc là tout a redémarré. Les ah mais je suis à plus 19 maintenant, mais c'est une blague. Mais oui, je t'ai donné du transfert mensuel. Mais tu m'en as donné combien? Ah mais faut lire tes accords. Putain, moi j'accepte, moi je l'ignore. Ouais, sais. Et puis le jour où l'accord il disparaît, c'est le mec qui a plus rien. Je crois que je vais faire quelques accords avec toi. Alors attends. Attends, si je veux pas refuser... Attends, je vais... Je sais pas ce que je veux faire. Ah, je peux pas faire de demande de secteur. 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Réserve de nourriture, équilibrée. Voilà. System survey complete. Voilà. 1604 flottes quand même, les petits pirates. Putain, il est en train de tout me détruire. J'en ai marre de ces pirates. Putain. Il y en a marre de ces météorites qui arrivent sur nos planètes, ça doit être la quatrième là, depuis le début. Sérieux? Moi c'est la première en une semaine. Depuis lundi dernier. Casabius Prime. Ouais, ça fait des minerais. Ouais, mais bon, j'ai déjà le stock plein en minerai, donc bon. Survey complete. Non, moi, il me faut une politique d'expansion agressive. J'ai dit, c'est des pommes géantes qui attaquent les planètes. Je ne vais malheureusement pas avoir le choix. C'est les champignons de l'espace.
Les champignons, c'est Anka. D'ailleurs, il est arrivé ou pas? Du tout? Non, pas de nouvelles, du coup. Anka, on va le taper, non? Research complete. Putain, mais c'est la cata ce qui s'est passé là. Du coup, je me suis expandu que d'elle. Vous avez tous la même couleur en fait sur les empires en haut. Putain, mais quoi? Ok. Alors, on recommence. Ici, ils sont tous contents, ça y est. Comment ça? Péruvie revendique chapeau. Non. Regarde, la Péruvie est forte. La Péruvie va se faire rouler. Comment tu fais pour avoir des revendications? Communiquer avec un autre empire et t'as un bouton qui s'appelle. Ou alors tu vas en haut dans le truc des options, des sections, etc. et ta revendication. D'accord, et tu revendiques ce que tu veux en fait. Ça coûte de l'influence. Ah. À part si tu le possédais déjà. Voilà. Ouais, d'accord. Ah, ils ont repris un minimum le système de. Des autres jeux Paradox. Ouais. Putain, encore une force de malade ici. Bon, d'accord, il y a des menaces de la part de Salam. Activons l'économie de guerre. On peut lui casser la gueule. Oui. C'est pas vrai. La classe Chaméléon a été prête. System survey complete. D'accord, j'ai un robot qui m'insulte. D'ailleurs, des robots qui insultent, quel est l'intérêt pour des robots d'insulter? C'est une technique de diversion. Tu les détestes. C'est les IA de base de League of Legends. Ils se sont passés sur les humains. Oh là là, ils sont heureux chez moi. Toutes vos populations vont venir chez moi, c'est sûr. Ah bah, si c'est basé sur le bonheur, y a moyen que j'ai plus de personne. Alors là, Silent. Vas-y, déclare la guerre. Qu'est-ce qui t'arrive? Soit tu déclares la guerre, soit tu me laisses perdre mes crédits énergétiques. Je suis en train de créer une armée et tout. Ouais. C'est ok. Bon, soit. War declared. Okay. Oh. Attention, on est une fédération en fait. Hein. Péruvie, ton proche, ça roule un géant. Eh, mais j'ai perdu un vaisseau là. Il est où mon vaisseau? C'est soit je déclarais la guerre à vous, soit je déclarais la guerre à quelqu'un qui est pas là. Voilà, chaque vous êtes une fédération. Et que je vais probablement la perdre. Bon, ça commence à me saouler là, c'est les sauts qui foutent. Ah, c'est bien pensé parce que du coup, tu essayes de m'empêcher de construire cette armée. Ok. La Fédération du Sud est appelée à défoncer la Péruvie. Je pense que je vais me faire défoncer par contre. On va peut-être pas. Non, mais ça va arriver par le nord et tout. Ça. Ouais, ils sont sur ma frontière sud actuellement. Ouais, bah... Ok. Ça, du coup, faut faire des amis. Vaisseaux. Ouais, pour capturer les planètes, oui. Mais, pour le système de bataille, il a changé aussi. Ça va être un peu short de t'expliquer ça et de combattre en même temps. Ouais, vous avez vu le live, j'ai réussi à remonter mon économie grâce à des dons conséquents. C'est comme ça que ça fonctionne. Les dons de la Péruvie, hein. Tiens, c'est... La Péruvie qui soutient ses alliés avant de leur faire la guerre, quand même. Quoi? La redéco. Et là, tu vois, je ne fais que regarder Internet, donc je consomme rien en ressources. Bah après, voilà, faut... Alors. T'as un ADSL, Conan?
Ah. À quoi? J'ai une flotte qui s'est fait défoncer. C'est pas grave. Tu as de la chance que la Péruvie n'est pas pour le bombardement planétaire dans sa politique. Oui, bon après, si tu cherches à conquérir, c'est pas très utile de bombarder. Pour l'instant, je cherche pas grand chose en fait, je voulais juste passer. Bon. Pour l'instant, je laisse largement passer. C'est en attente. Construction complete. Ouais, ça pourrait être le statu quo dans le nouveau Stellaris. Non, mais je pense que je vais mettre. Ouais, non, je vais pas bombarder, je suis gentil. Bon, fais comme tu veux. Je suis peut-être un peu je gourmand. Je suis contre l'esclavage, contre les IA. Ça les calmera peut-être un peu sur leur crise du bonheur. T'as combien? T'as 7 K6. D'accord. Bon, combien j'ai de pop là pour que ça me bouffe autant? Ah oui, d'accord. Ok. Je suis à 150 pop sur 14 mondes. Ok, je viens de comprendre ce qui me bouffait autant de pommes. Y a pas un endroit où il y a marqué toutes les populations d'un coup? Si, F1. Si, dans l'espèce. Oui, mais tu as chacune des espèces dans un total. Ouais, c'est écrit. Où ça? Quand tu es dans l'espèce, t'as le listing et t'as avant les traits, t'as un chiffre et c'est la population totale, le nombre. Et si tu mets le curseur dessus, ça te dit genre moi par exemple pour l'espèce. Moi, il y a une espèce qui est sélectionnée. Comment je comprends pas? Comment tu fais pour voir tout d'un coup? Pour voir la population. C'est pour voir la population, c'est ça? Pour voir toutes les populations d'un coup. Ouais, bah c'est ça, c'est... Ah, mais non, par contre, espèce, c'est que les populations qu'il y a sur tes terres. Oui, mais je voudrais le total de chaque population pour avoir un nombre, tu vois, un seul, genre 150, tu vois. Ah bah oui, bah c'est là, c'est écrit, il y a un chiffre. Dans les espèces, quand tu et fais... Et moi, j'ai 5 espèces. Bah, tu vas dans plus... Gouvernement et démographie, tu vois. Non, le dernier onglet, le quatrième, là, plus où t'as tout. Tu vas dans espèces, et après, t'as toutes tes espèces avec le nombre de populations que t'as. Chef, la Péruvie se balade chez nous. Ah. Ouais. Ok, donc on a fait ça. J'ai pas besoin d'une flotte. Ah si, j'ai besoin d'une flotte là, putain. Oh, j'avais pas vu ça. Putain, je commence à avoir tellement d'espèces chez moi. Chaque fois que je trouve une nouvelle planète, je peux provoluer plein d'espèces. J'aurais dû être xénophile. C'est pareil, j'ai fait un vaisseau scientifique, il est où? Ah oh, purée. J'ai mangé. Tu fais bien de me rappeler que il y a les vaisseaux scientifiques. Oh là 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 là, c'est long, qu'est-ce que c'est long. Comment j'ai pu m'expandre comme ça si facilement? Construction complete. Okay.
ma flotte pomme gourmande. Comment ça se passe? T'as aucune crédibilité avec un nom pareil. J'ai bien envie de démanteler certains trucs là, parce que ça me coûte trop cher cette histoire. Ça me coûte un peu trop cher, les amis. Construction complete. À côté de Split la Force, tu vas remettre à niveau, ça va créer le nom de vaisseau que tu as mis dans la flotte de base. Ah oui, certes. Elias démerde pas si mal que ça, hein. En cas il n'a pas été distancé. Hein. Bah l'IA il doit être meilleur que nous tous réunis. L'IA, non pas les IA normal. En fait. Mais ils ont une économie par contre qui est boostée. Non mais j'ai joué en solo, l'IA en normal elle suit pas un joueur. Passé un moment en fait elles sont complètement larguées face au joueur. Ouais, en début de partie ils ont clairement une économie. Tape-toi la contingence et puis on en repart. Il est complètement cheaté. Bonjour, je pop sur ta planète et j'ai 200 000 d'attaque. Ah! Pardon, excuse-moi. Ouais, non, c'est quoi que je dis? J'ai 12 flottes à 200 000 d'attaque. Ok. Ah, moi j'avais un petit vaisseau à 10 000, j'étais content. Tile block cleared. À la tête de Pomme Gourmande, l'amiral Clarence a appris à gérer au mieux le ravitaillement. C'est énorme parce que tes flottes coûtent moins cher. Lui. Ah, dites-moi les pros là. Il y en a un qui a fait le trait de diplomatie à l'unité. Oui. Ça sert à quoi le centre des visiteurs dans la diplomatie? Ça booste la vitesse de développement, il me semble. Putain, nos vaisseaux ils vont tellement pas vite en hyperespace que c'est ridicule. Nakrog, tu as une partie de mon armée qui arrive. Ouais, j'espère. Ouais, ils sont juste à côté. On a vu. Putain, j'arrive pas à m'expandre quoi, c'est dingue. Il y a la flotte de Fédé. On a 3 fédérations avec 3 joueurs dedans. Attention à chaponner Krug. Ça va, tu t'en sors, Picsou? T'hésites pas hein, si t'as des besoins ou quoi. Y'a pas de problème. Ouais, on se débrouille. Chaponné, tu as des besoins. La gueule, sale. Sachant Picsou que je crois que la prochaine rotation, c'est toi qui vas avoir la flotte de Fédé. Oh putain. Ça, elle me coûte rien. Enfin, elle me coûte quelque chose en entretien. Non, coûte que dalle. Ok, ça va. Et dès qu'elle est chez moi, je vais la faire gonfler. J'ai désengagé, hein. Fais la gueule, je m'en charge. Yézou, je suis parti. Ouais. Là on rigole moins là. Ah là ça commence à se battre au sud là non? Ouais. Ouais y'a la PRV qui se balade je sais pas. Allez le Pérou. Xekar qui nous trahit. Ouais. Elles sont où tes armées hein? À ton avis, je suis à l'autre bout de la carte, je peux pas passer, il est plus avec un copain avec moi les nonnes. On s'en fout, passe par chez Krug. Bah ouais mais faut le temps oh, je suis à l'autre bout hein, je te rappelle garçon. Putain. Les mecs sont payés à l'heure chez nous. Bah ouais, fonctionnaire. Eh c'est des hommes hein, c'est pas des robots. Saleté de d'être organique. Qu'est-ce qu'elle fait ma flotte, elle est con. Ouais, j'ai noté enfin pour une bonne fois pour toutes Glidarium. Ah y'a un trooper naturel là, c'est intéressant ça. Putain le mec il a grimpé. Le bâtard. Oh le bâtard. Anto, ta flotte. Oui. Putain. T'as du cul. Chut. Il arrive dans le piège. La stratégie, c'est de le faire tourner en rond. Je vois ça, ouais. Masta. T'as les mecs, ils esquivent mon armée, quoi. Et Antoine, on se fait un petit check, là, vite fait. Je vais dire le reste, Antoine. Check de quoi? Bah, justement. C'est chiant qu'on puisse pas communiquer dans le jeu, quand même. Qu'on change de channel. Ouais. Attends, je. Tac. Ouais. Juste, Ayazu est en train de monter. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est de commencer à emmerder Aya, vu qu'on n'est pas loin. Pour la simple et bonne raison que on peut aussi faire une alliance avec Silent qui défonce Aya par le sud. Même si c'est pas une guerre qui est partie pour rapporter, Aya est assez éloignée des autres, surtout dans sa partie nord. Il y a moyen de brider un peu, de calmer un petit peu les conflits au sud.
pour un temps quoi. J'ai pris de l'avance en termes de technologie, mais apparemment il a quasiment autant de flotte que moi, sachant que j'ai à peu près 5K. Ouais, bah, je peux facilement faire 2K5 de flotte au sud juste pour commencer à cogner quoi. Sachant que, est-ce que j'en sais des... Je t'avoue que je me suis focus un peu sur l'évolution des forteresses, les trucs comme ça. Mmh. Du coup, j'ai un peu limité la flotte. Mais là, si tu veux, regarde, il y a trois systèmes. Je peux faire trois, ou je peux faire un système à... Pixou avec nous, en fait. Hein. Bon, il est ouais. Un peu faible. À Glidarium, je peux faire vraiment une base fortifiée et tout, pour qu'on passe par là, quoi. Je crois que j'ai... Ou même pas Glidarium, en fait, ce sera plutôt l'étoile qui est juste en dessous. Colonization in progress. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ok, de toute façon, c'est pas pour le moment, on n'attaque pas pour le moment. Enfin... Non, le temps que je construise le système et que je mette la forteresse. Il y a des pirates qui viennent de partout au sud. Moi, je veux bien qu'on le tape, hein, mais faudra déjà réduire les pirates, quoi. Ouais, il faut déjà que j'arrive à stabiliser mon économie. Il y a 5K4. Il y a moyen que je vienne péter genre ton secteur à gauche, Kosk, avec les deux planètes, dont le monde Gaïa. Comme ça, tu le captures derrière. On fait comme ça, Masta ? Attends. Tu vois Kosk au milieu de chez toi ou pas ? Ouais, le truc. J'ai pas pris. Viens sur ma gamme avec ta flotte. Je vais venir et on va attaquer en même temps, ok ? Après, non, mais ce coin-là, il me dérange pas. C'est surtout les pirates au sud. Donc, non, mais mec, ça va grave booster ton économie si t'as le monde Gaïa à 25. Oui, après, oui, c'est sûr que... Ouais, ouais. Vas-y, ramène-toi. On le fait rapidement, ça va pas prendre longtemps. Ok, on remonte ma flotte. Donc viens sur ma gamme, je balance ma flotte. Sur ok, quoi, bon bah on remonte. Ma gamme, à gauche de Kosk. Bah alors, elle est où la fédération ? Voilà. Bah je sais pas, il y a... Ah bah, il nous a tous tués, ça y est. Attends, tu veux dire qu'il a battu l'armée de la fédération là ? Ouais, entièrement. La Péruvie a battu la fédération. Silent. T'es en train de les humilier là, non ? On va devoir s'incliner malheureusement. Oh le mec. J'ai même pas regardé ces revendications, ça se trouve on est à poil. Ouais, c'est chez moi les revendications. Quand on dit que vous êtes des chers. Le PNJ il se bat quoi. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ça? Incroyable. Ah, la grande penderie il est mal. Il robot à 4 flottes de 2000. Ah oui, là ça c'est pas la même là. Putain, c'est une colonisation en course. Quelqu'un du crédit énergétique en échange de minerai encore. Bon, tu veux combien? Je sais pas, 1000, 1500. Sa bataille dure. Hein. Ça ouais, j'ai de nouveau des crédits énergétiques. Tu m'étonnes. Evading hostile fleet. Combien de minerais tu donnes? On marche chez les partenaires. Un pour un. Non. Ok. Ah mais coalition favorable, c'est pas nous, on est coalition glorieuse, j'ai cru qu'on avait accepté un truc que j'avais refusé, tu sais. Ah, je refuse la paix. Ah, la coalition favorable qui s'allie à En Marche, là. On voit les collabos. Ok, Ayazu, tu as toujours tes troupes d'assaut, c'est bon? Ouais, j'ai encore des troupes d'assaut. Ah mais c'était l'Empire de Codan. Mon armée au sol, elle a rien subi. Non, ouais, je m'en doutais. Putain, ça lag à mort, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, pareil. Ah, c'est là, c'est moi. Dans le sud. Non mais c'est... Il doit y avoir un joueur qui fait un petit peu laguer et du coup ça... Ça resynchronise. D'un coup je me suis... Oh le PNJ. Le PNJ attaque les Péruvies. Et c'est ce que Bob aurait fait en plus, c'est magique. Ah c'est beau ça. What the fuck. C'est exactement ce qu'il aurait fait. Trop la marrant. Volonté de Bob est respectée. Ah, c'est magnifique. Ah, j'aurais trop dû attaquer Bob. C'est l'esprit de Bob. Ah, mais carrément, quoi. C'est trop drôle, quand même. J'ai donné des ordres avant. Moi, je dis. What the fuck. Bob, il s'est branché mentalement sur le jeu. On va arriver vers ma gamme. Elle est où la flotte? Et par contre, du coup, mon empire là en marche, il a fait quoi?
Xekar. Oui. Pour éviter le statu quo, si tu peux recapturer les systèmes qui m'a pris chez moi. Sinon, en fait, le truc, c'est un peu pourri. C'est ce qu'il y a dans le CRS actuel, c'est qu'il y a une lassitude de guerre. Erasmadon, c'est où ça, Erasmadon? Sauf que si elle se signe automatiquement, les terrains qu'il a revendiqués et qu'il a capturés actuellement resteront sous son contrôle. Donc si tu peux libérer les planètes là, ouais, je te vous remercie. Propose une paix blanche, moi, je dis. Non, non. Pas avant d'avoir récupéré les systèmes. Attends, il y a une planète juste à ta frontière, là, tu la veux pas? Gérald, ouais, t'as des pirates en haut, non? Ouais, j'en ai de partout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attends, je prépare les armées d'assaut, hop, hop, hop. Je peux pas, je suis en même temps en train de voir enfin des mondes qui sont intéressants. Allez, ouais. La flotte de fédération. Ouais, pour ça, y a pas de secret, mes troupes d'assaut seront à 4 nanopolis. Debris analyzed. Bon, je suis toujours dans les négatifs là, ça me va pas dire. Je vais m'occuper de Bob après. Mais est-ce qu'il y aura un après? Je pense pas. Ah, ça a c'est. Il y a la flotte de fédération, Zepa. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. Bon, il reste plus grand chose. Hein. Je suis en train de réunir la nouvelle flotte. System survey complete. Ok, on va faire un secteur encore là parce que. Si je capture ta capitale, je l'appellerai Isha Silent. Juste pour respecter. En charge, je capture un nouveau truc. Hakuna Matata, putain, nickel. Oh putain, c'est gênant. Et il y a un moment, il y a plus d'idées, hein. C'est chaud. J'arrive. Voilà. Tiens, d'ailleurs, le temps de régler le compte de la Péruvie, est-ce qu'on peut faire un conseil de guerre au sein de la Fédé? Si juste histoire de se consulter un peu plus sur nos troupes. Putain, mais t'es une flotte à structure. Tu voulais pas qu'on se retrouve à Mayhem? Ok, donc ça c'est bon. Il m'envoie deux cassettes. Ouais, je vois ça. Ouais, Tu parlais de Master? Profiter de la base des flottes. Ok, faire des flottes plus grosses. Le problème c'est que là j'ai pas l'économie pour ça. Là. Je sais pas comment j'aurais des flottes remontées sur ce qu'il y a. Visiblement. Ah, bah oui, c'est ses commandants. Non, qui c'est la FD expérimentée. Non, flotte de FD qui remonte. C'est surtout que je viens de me taper son paro stellaire, tu vois. Donc les boucliers étaient déjà HS. Ah, c'est toi qui as attaqué le port stellaire? Yep, mais il est tombé le port. Ouais, j'ai vu. Je m'occupe des pirates au nord, GM. Ok, super. Construction complete. Ok, je descends. Ah là là, ça coûte cher les forteresses, putain, 2500. Putain, mais mon économie elle a encore baissé quoi. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Encore un saut. Allez, Zou, t'es demandé en bas. Ah, ouais, j'arrive. Voilà. Ouh là là. Alors, mon forteresse. Ok, je suis arrivé à ma gamme. Moi, je me mets au bord de la porte. Ok. Une seconde. Tant que je suis au même niveau. Voilà, la guerre est finie de ce côté-là. Putain, vous foutez de moi là? Ok, let's go. Attends. Je jump, de toute façon, c'est facile. Oh non, j'ai des hallucinogènes sur une de mes planètes! Comment, avec 1k9 de flotte, j'ai pu arriver à ce résultat là, quoi? Allez, c'est parti, Master, on a une chaîne! Allez, on les casse. On va sur les 1-8 direct. Construction complete. Elle ressemble à quoi la Gaïa? Ah, y a pas de truc spécial dessus, mais bon, 25 slots quoi. Crédit énergétique plus 20%, mon gars, tu vas te mettre bien. On a pas encore gagné.
Quoi? Je me suis dit tranquille. Je joue que toi t'as une grosse flotte de porc. T'as mis Bob quoi? Mais Bob Lennon. Je vais tellement toujours lui péter sa gueule. T'as vraiment une flotte de porc casse hein. Ok, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il me semble que je ne l'ai pas. Ouh là là là, j'avais pas vu. Il y a une bombe atomique. Oh, elle a failli exploser. J'ai un vaisseau scientifique dans le coin. Oh, parfait. Tu veux que je te laisse les projets dans le perche? Pourquoi je fais pas ça? Hostile fleet detected. Les projets de recherche, de quoi tu parles? Dans la zone qu'on vient de péter là. Je crois que c'est chacun le sien. Il me semble pas que c'est tous les deux, on le voit pas en fait. On voit les nôtres. Construction complete. Comme c'est que c'est des technologies que j'ai déjà, du coup ça va pas être de... ça va pas être terrible quoi. Prochaine fois je défonce Bob hein, parce que... quand même faut pas déconner. T'as tué les pirates, Jal? Non. Pourquoi ils ont disparu? Ils sont chez toi? Non. Non, je sais pas. Quand tu... mais j'ai détruit leur station derrière, mais quand tu détruis la station, ils disparaissent. Je viens d'apprendre un truc. Non, non, ils doivent être quelque part encore. Attends, je vais te dire où ils sont. Bah, ils sont pas chez moi, en tout cas. Je vais te dire où ils sont. Ah. Ils sont à Aigror, chez moi. Ouais. Ah, bah, et à Mermaz aussi, tiens. Yo. Aigror, c'est où ça? Au nord. Attends. Ah oui, ok. Ah oui, ils ont été jusque là. Ouais. Attends, je juste des zooms juste. Ouais, t'es arrivé sur la frontière, donc tu vois, c'est le couloir que je te disais, ça. L'autre côté où il y a les Saphir Lurker. On comptait prendre ça et comme ça on a une frontière qui se touche. Ah, vous aimez bien quand ça touche? Bah oui. Coquille. Je vois pas Saphir Lurker, moi je comptais prendre Erdoska là parce que je viens de... Ah oui ouais c'est ça, c'est ça. Non mais les Saphirs c'est les créatures qu'il y avait dessus. Bah je les ai... justement prendre Erdoska, comme ça au moins on a une frontière sur... en ligne droite. Comme ça c'est pas intéressant de... enfin ça donne pas trop envie de conquérir l'autre. Ta-da-dum. Non Erdoska j'ai perdu deux flottes dessus, j'y tiens. Ah mais non je peux pas acheter. Construction complete. Qu'est-ce que je fais? Plus de centrales. Pas accepter les dieux, ça fait rapprochement. Attends. Tu disais, excuse-moi, j'ai un milliard de trucs en même temps. Cet homme est complètement dépassé par les événements. Trop de trucs. Ça va pas être possible, Jay. Bah c'est trop tard, j'ai déjà un vaisseau de colonisation dessus. Il y a pas de planète. Un vaisseau de construction, je voulais dire. Ships upgraded. Da-na-na-na-na-na. Ships upgraded. Putain, mais c'est un vrai bordel, mon système. Quoi. Le bordel. Oula, l'autre il me fait une revendication sur moi, Lennon. Allez ouais. C'est, en fait, il n'y a pas besoin de l'avoir vraiment là, sa volonté est présente. Sa volonté est présente. Ships upgraded. Ça fait du bien d'en passer en positif. Mascal, c'est où Mascal? Il faut des personnalités. Putain, je suis en positif de partout, qu'est-ce qui se passe? Vite, donne-moi tout. Oh là là, tout se passe à merveille. Au final, cette petite guerre qui aura servi à rien. Oui. Ça vous a moustillé. Bon, oh, ça dépoussière les vaisseaux, c'est cool. Voilà, j'avais besoin de les améliorer. Non, mais je voulais pas attaquer Bob.
Et voilà comment il me remercie. Hein. Franchement, moi je suis outré. Ouais, on se doutait que vous avez été sur point de vous allier. Ah, mais ça réduit de l'influence quand tu réprimes une faction. Ouais. Ouais. Oui. Ah oui. Ah merde. Et elle baisse pas tant que ça, hein. C'est juste qu'elle grossit plus. Eh, mais y'a pas moyen de la supprimer tout court, en fait, la faction ? Bah non. Tu peux supprimer la faction en tuant toutes les populations qui appartiennent à cette faction. Ouais, non. Ça, tu fais comment ? Bah, tu les trouves et tu les tues. Tu les purges. Bah, ça va être les mecs qui sont pas contents. Ah oui. Ouais, mais si je les purge, je sens que ça a mal se passer, je sais pas pourquoi. Ah, mais il faut des décrets et tout. Après, t'as moins de prod. Bah, j'ai peur qu'ils fassent sécession, on est d'accord qu'ils peuvent pas, sauf s'ils sont très nombreux sur une planète. Bah, allez, je vais cesser de les réprimer. Pareil, j'avais besoin de l'influence. On va leur accorder la sécu. Oh là là. Supportable. Et ça y est, le solde négatif qui recommence. Research complete. Ah. Putain, il y a encore des empires que je connais pas. C'est ce que je viens de me rendre compte. Explorateur, et oui. Salut, frère. Rire. Alors, autocanon éventreur, ça a l'air pas mal ça. Construction complete. Lol, mais en fait j'avais juste besoin d'une seule unité. Tile blocker cleared. Par contre Bob, tu fais chier. Clairement. Moi je sais pas quoi prendre comme atout. Intégration de... Shakuna Matata. D'accord. Bon. Merci. Ça c'est bon, on va foutre là. Ah ça y est. Et ça. J'ai pas autorisé ça. Mais mec, t'as vu comme t'as progressé pendant que je faisais mes trucs? Moi je pensais que le truc il allait être à Charico, tu vois. Au moins on était à 1-1 et là t'as bouffé tout ça. Non non, Edroska j'en ai besoin. Mais non. J'en ai besoin, c'est ma frontière avec le Nord. Ouais, regarde la carte galactique. J'ai niqué toute la tour. Je vais niquer ton armée. Je vais niquer tes terres. Ah d'accord, Yazoo, ok, j'arrive. De quoi ? Occupe-toi de Bob. Ah non, c'est pas Pigato, pardon. On va voir à qui elle est cette frontière. Erdoska. Erdoska, on a un conflit avec la Fédération au sud. La flotte est en route. Mais j'ai déjà deux flottes qui sont dans le coin. J'espère que t'as au moins 10k. Hein. T'as deux flottes. 846, c'est deux flottes. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux prendre la lumière là ? Le mec il shadow stream quoi, tu vois. Non, mais j'étais sur mes capteurs, mec. Mais je peux pas être sur tes capteurs, t'as personne sur place. Si, si. C'est pas possible. T'inquiète, j'arrive, on va le calmer. Avec quoi ? Avec 800 de plus ? D'accord, ok. Oh le mec se provoque. Franchement ça vaut bien une insulte diplomatique. Ça ne dit pas qu'on pète le Nord, on y va tout. Si, En fait le il Nord a essayé de m'en tuer. Oui. Qu'on a sauvé de la famine, de la détresse, tout ça, tout ça. Non, non, c'est le mec qui a défoncé votre armée à lui tout seul. Après avoir entendu qu'il vous a tous défoncé tout seul, je vous prends plus trop au sérieux, tu vois.
C'était Pearl Harbor, j'ai pas eu le temps de sortir mes vaisseaux. Ah bah, les excuses, tout ça. Moi j'appelle ça un gros stratège. Grosse branlée. Oui, mais c'était pas toute la flotte parce qu'on a gagné. Ah, vous avez engagé le combat, j'étais même pas là. Ouais, voilà, c'est peut-être, on a peut-être eu une grosse défaite, mais en soi, on n'a pas perdu la guerre. C'est beau ce que vous dites sur la guerre. Ah non, j'espère que c'était pas la guerre, qu'on rigole encore un peu. Putain. Bon, par contre, Bob, il fait chier. Hein. Il a décidé de faire chier. Genre, je lui ai rasé son monde et puis. Il est quand même puissant ce Bob, hein. Même absent, il fait chier. Bah, on l'avait nourri. Hein. Ouais, mais non, mais en plus, il utilise des stratégies fous où il t'attaque sur deux fronts. Prends le salaud. Bah, comme Bob, quoi. C'est ses vrais strats. Ouais. C'est ses vrais strats, c'est les strats à la Bob, quoi. En fait, ce qu'on sait pas, c'est que Bob, depuis le début, en fait, il jouait pas, hein. C'était l'IA. Mais Bob, en fait. Un plot twist, quoi. En fait, Bob n'a jamais existé. C'était une invention depuis le début. En fait, il fait semblant de pas être là, mais en fait, il. Ouais, c'est ça, il est là. Il a juste pris le nom d'un bot, et il parle pas au micro. Et... En fait, il fait croire qu'il est l'IA, mais en fait, il est là. Il s'est connecté en scred. Ok. Ça sera l'esprit de Bob. Ah, une bonne nouvelle. Papy Gâteau, dis-moi, t'as de l'énergie ou pas? Ouais, t'as des crédits des... Ouais, j'ai du métal, ouais, ça c'est clair. Moi j'en ai aussi si tu veux. Ah, super. Vous me faites un 1000-1000, ça vous va? C'est tout? Ouais, j'ai juste besoin de stabiliser l'énergie pour être sûr de pas avoir de problème. Mais 2000-2000 sinon. T'as autant besoin de métal que ça, Master? Bien sûr. Fais gaffe, ça sent un tourlou. Mais je suis à 11k d'énergie, donc... Incoming transmission. Tiens. Putain, c'est long! Ah, merci. Mais j'aurais pu te filer du métal. Ouais, bah ouais, c'est ce que j'attends. Mais, putain, t'aurais pu faire l'accord complet. Attends, F2, F3, F4. Attends. J'ai des blocages, j'ai nickel. Non, mais sinon. Hop, minéraux. Debris analyzed. Ah oui, je peux enfin modifier mon espèce. Alors, je crois que j'ai oublié. D'accord, ici ça fait rien en fait. Allez, je vais piquer frontière. J'ai même réussi à prendre une planète au passage. À qui? J'ai réussi à piquer une base à Bob. Il va être content. Ouais, j'ai piqué. C'est pas une base, c'est juste une station lumière. Mais qui a 13 de minerais. Donc... Oui, donc tu vois ce que je dis, il va être content. 13 de minerais, c'est énorme. Debris analyzed. Putain, mes vaisseaux sont trop lents. En fait, mon empire est tellement trop long que c'est une catastrophe. Quoi. Oula, je fais pas de blague là-dessus, non? Vaut mieux pas. Ah, c'est en pause. Ah, il y a une pause. J'ai mec, je comprends pas, ça bouge plus et tout. Je comprends pas. Franchement, j'aurais pu y prendre plus, mais je suis sympa avec Bob. Construction complete. Un peu trop. C'est bien parce qu'il est pas là. C'est bien parce qu'il est pas là. Construction complete.
Krug et Xekara, est-ce que je peux vous voir vite fait en... sur un autre Ouh, ça sent pas bon ça. Quoi donc? Oh, oh là là, ils sont en train de ramener les flottes là-haut. Alors je suis en train de blinder les forteresses moi. Ouais, je pense qu'il va y avoir une montée. Ils ont absolument aucune chance. Silent, oui. Tant qu'ils sont pas là, on en profite, on peut presser le AIA là, hein, je pense. Ouais, mais. Attends, c'est qui les potes d'Ayazu? Hein? C'est qui les potes d'Ayazu? Il faut que je sache. C'est Krug? Krug et le jaune et le hégémonie à gauche. Ah, mais attends, mais j'ai un trou de vert chez hégémonie? Ah, c'est intéressant ça. Oh, attends. Stop, faut pas en parler ouais, comme ça, ouais. Il y a un trou de vert aussi chez moi. Ouais, mais tu sais pas lequel va où? Non, je m'en fous. Je peux pas m'en servir. Je te laisse la flotte de Fédé, JL. Je la ramène chez toi. Ah, mais vous êtes en fédération? Ah oui. Avec JL? Ouais, non. En fait, moi je suis associé, c'est-à-dire je suis pas littéralement dans la fédération, mais c'est plutôt un compromis. Ouais. Est-ce que vous voulez de moi dans votre association? Je pense qu'il y a un moment où il faut. Non. C'est tellement le mauvais plan, on va te faire foutre. En fait, non, Silent, depuis le début, il a été propre, hein, on l'a aidé, donc il a aucun intérêt à nous baiser. T'es pas avec la fédé, toi. Silent? Oui. Est-ce que tu peux nous rejoindre sur le channel d'en bas, vite fait? Regarde-les qui vont s'allier. J'arrive. C'est tellement spoté à 15 km. Ouais, mais ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une semaine pour pouvoir en parler. Parce que là, c'est 20-56, donc ça va être cool. Il va falloir à tout prix qu'on... Par contre, les champignons de l'espace, il fait chier un peu. Il va falloir s'en occuper. Ouais, pour le moment, non. Oh putain, j'avais pas vu qu'il était hostile envers moi, le champignon. Le bot, il pourrait m'attaquer c'est d'ici ça, peu si je continue. Mais ouais, en fait, c'est pour ça que... Va falloir qu'on se soucie de ça. Après, la puissance de flotte est inférieure, donc c'est-à-dire qu'il doit pas avoir grand-chose. Ouais, mais il peut vite monter aussi. Ouais, mais bon, ce serait bien qu'on y aille, quoi. Ça, c'est bien. Ah. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il faudra qu'on fasse un gaffe. Il a bouffé Zarine, l'enfoiré. Il okay. A quoi? Ok, il a bloqué. Il va falloir qu'on cogne. Bon, ça marche. Ouais, c'est ça, il m'a bloqué. Donc il n'y a que de ton côté où toi tu peux progresser. Moi je suis bloqué. Non, mais mes PNJ ils sont trop cons. À chaque fois ils essaient de passer par un secteur où il y a plein de pirates. Sachant que le but quand il y a une guerre, c'est de faire le plus de dégâts possible le plus rapidement possible pour la gagner. On est d'accord? Ouais. Donc je peux... En fait, s'il s'attaque à nous... Xekar, je peux littéralement le manger en fait. Il aura pas de quoi se défendre. Attends. Oh, j'ai une idée de ouf. Pas trop. J'ai une idée de ouf. Oh, l'idée de fifou. Ah, ils sont tellement morts. Oh, vous êtes tous foutus. Vous êtes tous morts. Ça, il y a longtemps que je le sais. Hein. Alors, ok. Ah. Bah, de toute façon, on va pas tarder là. On va arrêter. Ça là. Va faire, ouais. Re. Ah merde. Comme ça, ça va. Ah. Oh putain, ouais, j'ai toutes les demandes. De tout le monde. Oh putain, mais en fait, c'est plein de choses que je voyais pas. Bienvenue dans le vrai monde, Valente. Bien, quoi. Putain, mais c'est quoi des champignons de l'espace? Mais qu'est-ce que c'est que ce bras? Voilà, alors, Dual. Hein? Pour ce système. Écoutez, avant de partir, vous m'avez dit non. Voilà. Mais on n'a pas. Attends, mais on a pas fait de contre-offre. Non, je voudrais voir. Mais c'est énorme, Conan, ça. Isaiah, Silent, t'es sérieux? Enkar, s'il vous plaît. Je pensais qu'on était potes. Mais non, putain. Bon, bah j'ai plus le choix maintenant. Je suis obligé de. Has j'ai plus le choix maintenant. Alors là, mon gars, notre flotte de fédés, ça va être colossal. Je fais chauffer les chantiers.
Je pense qu'il fait un peu en bas. Balancez-moi des minéraux là, la fédération. Ouais, je t'envoie quoi, 3000 balles. Allez, balance. J'ai pas beaucoup plus malheureusement maintenant. Parce que j'en ai filé. Moi je vais me mettre la clé et puis je renvoie. J'ai filé de l'argent à un mec qui vient d'intégrer la fédération ennemie. Alors papy gâteau, équivalent. Faut que je te rembourse d'ailleurs. Massa. Bah ouais, mais tu m'aurais bien mieux remboursé en bouffant Aya qu'on se serait partagé le gâteau à deux là. Et t'inquiète pas, c'est que de la politique. Justement. pas de truc mensuel mec. Ok. Ce n'est que professionnel. Comment ça se fait qu'il y a des vaisseaux en rouge là, putain. Oh putain. On est à la guerre de sécession, ça y est. Construction comme ouais, je te dis. Faux. On débile mes vaisseaux. Mais pète-moi ça là. En tout cas, la guerre ça rapporte masse en recherche. T'avances tellement sur les hommes. Non, petit Jial profite un peu trop des conflits des autres. Il pense pouvoir prendre ma frontière pendant que je suis en guerre avec Silent, hein. Bah, j'avoue que c'était quand même une bonne idée, quoi. Oui, sauf que vu qu'on était en guerre, on a créé des armées, hein. Donc, non. Balance des numéros, Jial. Ouais. Désolé, j'étais en train de voir ce que je pouvais faire. Non, on est pas inactive, mais ta sœur elle est inactive aussi. Alors, Adlucem. Attends, j'ai des mecs au chômage. Est-ce que je peux faire une base à l'autre bout du monde? Merde. Oh putain. Oh, qu'on se reloue. Il y a eu tellement d'actions en une demi-heure là. J'ai des tas de trucs en retard sur mes planètes. Ok. Toi, on disait que c'était calme quand on est arrivé et puis. Ouais, c'est ce que je vais faire, Maxios. J'ai bien l'intention de tenir le système. Du coup, je vais pouvoir mettre des recherches auto. Je vais enfin pouvoir explorer la galaxie. Tenter mes scientifiques en deux jours. Research complete. Alors. Pas encore la même chose. Ah, bah, je veux voir ce que t'as du coup, Silent. Ah, t'as bon. Oui, je vous ai battu avec un lance-pierre. Très clairement, voilà ce que j'ai, un lance-pierre. Là, vous êtes en train de vous dire, mais comment il a fait? Non, pour ce qui est de la progression sur Meter, c'est juste que j'avais pas. Oui, non, mais après, voilà, je l'ai fait exprès. T'as clairement bien joué. Le truc, c'est que j'ai énoncé vocalement que j'étais en train de faire une arme. Putain, mais Ayazu qui est en train de sucer des bites à un niveau là. J'ai bien non, attendu. Mais t'as clairement bien joué. C'était très bien de nous avoir niqué. Je trouve que tu vas faire un bon allié. Vous alliez sur le chat en bas. Je vais partir. Pour être bien sûr. Moi, il fait la soupe. C'est beau, ça rime. C'est un vrai poète, c'est top. C'est dans les droits de la fédération. Voilà. C'est la décadence. C'est l'Empire romain. Tout ça pour. C'est créé à la lignée A7 d'ailleurs. Là, j'ai plus d'idées. Vous avez une idée avec chat quelque chose? Chabit, ça doit déjà être chat. Chabit, c'est déjà fait. Ouais. Ah oui, moi je crois qu'il est déjà fait. J'imagine. Chapristi. Déjà fait. Chat alors? Ah bah je suis allé jusqu'à Chapal goût du poulet donc Chatal Goya. Déjà fait. Ah déjà putain c'est déjà fait. Mais oui j'ai plus. Charico, Charentaise, Chabat. Ah mais j'ai une planète là. Tiens t'en as une qui s'appelle Briscole hein. Je dis ça je dis rien. Zéro. Ouais mais c'est celle là justement je cherche un. On demande que tu veux que je fasse des System survey complete. Jay, si tu veux attaquer, c'est un très bon moment parce que je réfléchis à un nom pour une étoile. Non, bah là, de toute façon, ce serait bien de mettre en pause et puis de ouais, dégager ouais, tout on, ça là à on, la prochaine. Ouais. Allez. Papy, tu nous le. Pause. Tu nous le sauves. Ah. Nickel. Par contre, on va pas mater le monde des autres là, d'ici la semaine prochaine. Sauvegarder. Bien. Ouais, ce serait bien. Pomme. Non. Poire. C'est bon, ça sauvegardait. Super. À partir de maintenant, on sera oublié. Les mecs du Sud en ont besoin, quand même. Le Sud, il reste toujours Gribon. Allez, j'ai moi, j'avais F4 comme un sac. J'avais lancé sur mon Facebook. C'était
Fédération, gloire et trahison. C'est pas trop mal. Ah, pour le coup, il y a eu réconciliation, tu vois. Ouais, c'était, voilà. En fait, c'était un live plutôt mou dans l'ensemble, mis à part qu'on a tous eu des merdes sur nos empires. Enfin, la plupart d'entre nous. Mais sur la fin. Diplomatique. Mais sur la fin, les tensions sont apparues et je pense qu'on est sur une guerre, une grosse guerre qui est en train de se préparer, quoi. Voilà, il y a deux fédérations qui se font la guerre. Parce qu'une guerre Une guerre de fédération. Qu'on va s'amuser la prochaine fois. Ouais, une guerre de fédération, ça pardonne pas trop, quoi. Après, cette guerre est vraiment débile. Parce que vous avez une fédération qui englobe un empire et vous le bouffez pas avant d'aller sur une autre fédé. C'est un peu. Quoi ouais. Non, mais attends, Croy, il faut que tu saches un truc, mon gars. C'est que Ayazu a fait exprès de monter au nord pour me bloquer. Moi, je le prends personnellement. Mais au début du live, je t'ai dit, ça te fait dire si, on se la partage. Ouais, Jal a jamais répondu en fait. Non, mais j'ai dit on se la partage, mais à un endroit décent, tu vois, parce que là tu m'as bloqué, je peux plus descendre. Regarde, je prenais 7 étoiles. Tu peux plus descendre, t'as vu la taille de ton attends, machin. Krug et Ayazu, vous êtes d'accord que Anka n'est pas avec vous dans votre fédération? Ouais, tout à fait. Ouais. Et bon, on s'en bat les couilles de l'englober, c'est vous le maillon faible. Et attention, si Bob est là l'année prochaine, on a peut-être un cinquième membre, hein, parce que je crois pas qu'il ait d'intérêt à nous affronter tous les quatre. Ouais, mais est-ce que vous serez capable de gérer 3 fronts en même temps? Écoute, on va faire de notre mieux, j'ai envie de te dire. Parce que vous oubliez les PNJ, hein. Vous pensez que je me touche depuis tout à l'heure? Ah ben, le plus gros danger, c'est ma population qui est au bord du suicide. Oh, le mec, il lâche un fou, en même temps, ta population, elle s'est fait bombarder. Non, mais ils sont les bits plus heureux depuis le bombardement. Oui, bombardez-nous, maître. Et l'action, il se passe un truc. D'ailleurs, j'ai dû changer pendant 10 ans ma politique gouvernementale juste pour te bombarder tes gars, quoi. Parce que normalement, je suis pacifiste à la base. C'est la merde. La guerre de merde. Ah là là. Tu as le gouverneur qui dit non, mais nous, on est contre le bombardement. Bon, les amis, j'espère que vous avez passé quand même un agréable live en notre compagnie. Et rendez-vous lundi prochain, 21h, comme d'habitude. Pour la suite et la guerre. Et massacre. Les joueurs, par contre, essayez d'être là un petit quart d'heure avant qu'on puisse tous charger les cartes, lancer la partie et que ça puisse partir à 21h. Ce serait cool. Tout à fait. Il faudrait pas du coup à quelle heure et quand? Bah, lundi soir à 20h40. Okay, pas de problème. Lundi prochain. Voilà. Allez, bisous tout le monde. À lundi. À la prochaine. Ciao.